just the way you like it. C'est presque aussi rapide que sur le menu de votre voiture sur vendezvoitureaudi.fr. Venez, je vous montre. Oncle, vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Alors oui. Sur vendezvoitureaudi.fr, vous recevez un super prix vente. Rapide, simple et en ligne. Mon conseil, obtenez votre prix vente sur vendezvoitureaudi.fr. On a acheté cette femme. Elle tire les oreilles de Média Roubi. Fais attention à elle. Il faut faire très attention à cette femme. Ruby me dit, oh non, Aïcha, vraiment, elle est gentille, elle est sympa, elle est ceci, elle est cela. Je dis, je parle pour moi. Je laisse à Dieu. Fais attention à cette femme. Je vais sur les réseaux sociaux, je vois. Ruby poste la photo de, du président des États-Unis devant une Range Rover. Elle dit ceci. Ma copine a acheté la voiture, je suis contente et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Elle commente. Oh le bon bimo! Oh le bon trimo! Mais non, c'est rien! Récemment, quand Ruby est partie aux États-Unis, elle n'a pas vu la couleur de la Range Rover. Tirez bien vos oreilles. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas en train de monter comme je veux. Partagez-moi le direct. Ruby n'a pas vu même la carrosserie, même le parapluie de la Range Rover. Et pourtant, sa copine n'a pas envoyé la photo que j'ai acheté la Range Rover. Le pitbull est parti louer. Vous voyez récemment, un cabichet de aussi parti se filmer devant la Range Rover. Vous ne voulez jamais le paquet. Et vous êtes en train de faire. Ruby est donc parti. Ici, on envoie les téléphones. Oui, oui, oui. Notre téléphone, là aussi, n'est pas bien chargé. Comment? Non. On faut dire comment? Il faut me dire comment faire. Voilà. Elle n'a pas vu. Comme je vous disais, donc, je suis en train de chercher où se trouve. Je vais vous dire, c'est bien la voiture. Je vais faire un voilà, truc. Attendez, parce que le téléphone, celui-là n'est pas bien chargé. Elle avait mis une photo devant une Range Rover. L'autre là, celui où il y a le direct est bien chargé. C'est celui qui n'est pas bien chargé. On va faire ça. Ne vous inquiétez pas. Eh, maman, pour le sorto, il y a les moyens, les voies, les moyens. C'est comment? Ah, il m'a même cherché le sorfond comme ça là. Merci, j'ai bien envoyé 11,99€. Quand vous parlez comme ça là, vous m'envoyez le message de Ruby a dit que je ne. Ruby a dit que Aïcha ne dévoile pas tous les secrets. Si on me bombarde des cadeaux, ça va sortir. Les secrets là vont sortir seulement à la maison. Vous savez que chez moi, mesdames et messieurs. Maman, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Hein. Parce qu'il me faut les abonnés pour commencer aussi à faire les directs là-bas. Elle est venue montrer la Nous sommes allés dans YouTube là. La Range Rover. Elle conduit Range Rover. Ruby n'a pas vu. Donc, même la plaque d'immatriculation, la Range Rover. Vous comprenez? Madame Pitbull conduit, je répète, une BMW X5 de 2008. Et son mari l'est tenté. Non, tu ne veux pas trop, parler de son mari. Parce que en grandit l'image, encore. Parce qu'elle a encore plus que ça. Elle s'est tendue là-bas en Russie, en Tunisie, en Turquie. Elle oublie aussi d'amener son mari en fausse. On lui a grandi encore plus que ça. Les fausses facettes. Il conduit la MC de 2010. C'est bon comme ça. Elles ont
continuer leur ami, leur amitié. Mais là, je me dis, une fois, d'abord, une fille est venue commenter sur ma page. Elle a commenté sur ma page. Je veux remercier la personne qui m'a envoyé l'argent là, c'est qui est, enfin comment pouvoir. Merci beaucoup, hein. Apparemment, il y a l'argent là, YouTube là. Merci encore à la personne qui vient de m'envoyer l'argent là, merci. Moi, je n'ai pas d'argent. Je préfère vous dire, je ne suis pas là pour venir me répéter. Je n'ai rien, je me cherche. Donc, si je peux dire à mes gens qu'envoyez-moi, dis au revoir, envoyez-moi. Maman, apparemment, sur YouTube, là, il y a l'argent. Hein. Pardon, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, pardon. Merci. On va tous aller que par là-bas. Ruby, maintenant, est partie aux États-Unis. Elle ne voulait même pas que Ruby puisse voir un peu d'un œil comme ça. Là. Tu dis que c'est ta copine. Tu dis que c'est ta copine. Mais tu la gardes, tu la gères loin de chez toi. Parce que tu sais qu'elle peut me dire quoi, certaines choses. Oui, non, ne parle pas. Maintenant, Méliane, cette femme était venue ici, là, le peuple des États-Unis était venue sur les réseaux sociaux, nous montrer cette photo. Vous voyez, j'ai posté ça tout à l'heure sur ma page Facebook. Les gens ont commencé à partager ça partout. Est-ce que vous voyez cette photo? Est-ce que vous voyez la photo que je suis en train de vous montrer? Merci de partager le live, s'il vous plaît. Partagez aussi. Elle dit, hier matin, soyons prudents. Elle dit, hier matin, elle met les points. Soyons prudents. Et le second messager aussi, passager aussi. Ma voiture va mal, mais c'est un matériel. Tiens, la voix était partie sur Pinterest. Télécharger une photo d'un accident. C'est fini, nous faire croire. Mais comment tu peux. Les vendeurs de rêves de Facebook. Comment tu peux dessiner le diable devant ta porte? Ma chérie, mais ça, c'est de la folie. Elle est psychopathe. C'est pour ça que je vous ai dit qu'elle est capable d'envoyer les gens finir avec moi. Mais tant que Dieu qui protège, c'est pour ça qu'elle dit que je m'arrive avec les balles. Parce que c'est une il n'y a que Dieu qui protège. Dieu a décidé qu'aujourd'hui, tu as fait ta folie la dernière fois de regarder comme ça. Peut-être que dans ton compte, tu t'es dit qu'elle ne répond pas parce qu'elle a peur de moi. Erreur! Une fille qui bavarde comme moi, que même quand tu fermes ma bouche, ça ne soit pas les fesses, tu me provoques, je te regarde, tu n'as pas peur. Une fille que même dans mon sommeil, je parle. Tu me provoques, tu m'insultes, je te regarde, mais tu n'as pas peur. Il faut avoir peur. Pipez-moi Annie, pipez-moi Annie. Pipez-la-moi, s'il vous plaît. Donc, il y a un personnage qui n'a plus de scrupules. Pour des likes, pour la visibilité, elle est capable de dessiner le diable devant sa porte. Vous comprenez à quel point elle est capable d'aller toquer la porte du diable? Il y a une autre photo. J'ai posté ça là. Ça est en train de faire le tour. Merci pour les cadeaux, hein. Merci. J'ai vu qu'il y en a d'autres qui m'ont envoyé les cadeaux. Merci beaucoup les lions et les lionnes. Merci les anges. Je pense qu'il y a aussi les anges de Ruby. Vous voyez cette photo? Écoutez une soi-disant grosse lady. Quelqu'un n'a pas arrêté de péter dans l'avion aujourd'hui. J'étais vraiment contrariée. À la personne n'a pas essayé de lâcher des gaz. J'espère que ta femme blablabla blablabla. Mais t'as moi aussi. Parti encore sur Pinterest, voler les photos et venir poster, dit qu'elle était en jet privé. Qu'elle était en jet privé, il y a encore une autre photo que je vais vous montrer, que je n'ai pas postée. Hein. Il y a une autre photo que je n'ai pas postée. Voilà, il y a cette photo que je n'ai pas postée sur Facebook. Capturez si vous pouvez. Regardez cette photo. Vous voyez bien cette photo, non? Ok. Elle dit, j'arrive. Je fais un tour rapide à Paris. Je vous ramène quoi? Allez sur Pinterest. Voilà la même photo. Voilà la même photo. Vous voyez? Un bosselet dit du mensonge. Hey. Son mari n'a pas de travail pour FBI. Je vais vous dire où son mari travaille. Envoyez-moi des cadeaux, s'il vous plaît. Je n'ai pas passé toute la journée pour pas jouer pour rien. Moi, je ne vais pas s'en blaguer.
Ouais, elle met bien le téléphone encore comment? Le téléphone n'est pas bien, ma. Je montre la photo de son mari ou je montre le Facebook de son mari. Parce que si je montre le Facebook, bah, c'est public. Ou je fais comment? Parce que je n'ai pas envie d'aller trop, comment non? Dites-moi ce que je fais, c'est un peu doucement où j'appuie seulement sur le bouton déranger. Qu'est-ce qui va te protéger aussi, toi-même? J'appuie seulement sur le bouton déranger, ou me dis. Sinon, nous, on veut le déranger, mais protège-toi aussi. Mais il doit aussi contrôler. Protège-toi, Marisa. Voilà, tu es en train de m'appeler. Que je ne l'aime pas, Ruby. Je ne l'aime pas. C'est bon, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Comment quelqu'un peut venir te dire tout ce qu'elle t'a dit là? Tu as encore pitié. Tu as encore pitié. Ok. Parce que la dernière fois. En tout cas. Ok, j'ai compris. Je ne montre pas. Je ne montre pas. Parce que ne montre pas, j'ai compris. Le bien dit que ne montre pas. Donc on garde ça alors pour, on garde ça au frais. On garde ça au frais. Il y a d'autres éléments que vous ne pouvez pas que je vous montre. Même mon direct, s'il vous plaît. Ok. On va entrer un peu dans le vif du sujet. Elle et son mari ont pris l'argent du COVID distribué. Du COVID distribué aux entrepreneurs américains. Bien sûr, ils ont menti, ils ont des employés. Ils ont acheté une parcelle de terrain à Colonel Heights à 70 000 dollars. Je ne sais pas si je prononce bien. Colonel Heights en Géorgie. Et je ne vais pas m'attaquer sur sa vie privée. Je vais m'attaquer sur certaines choses. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas entrer là-bas. Même comme elle a parlé de mes enfants la dernière fois, je ne vais pas entrer là-bas. Je ne peux pas dévoiler ce qui n'est pas. Conrad en Géorgie est une zone où vivent près de 70% de Noirs. Il y a de belles maisons en Géorgie. Mais Conrad, c'est pas le premier endroit où iront habiter ceux qui ont le vrai argent aux États-Unis. Dans la façon dont elle se comporte là, c'est comme ça qu'on vit dans le ghetto américain. On avait affronté sur un mur là, et puis elle avait bloqué la personne là-bas. Elle n'a jamais été infirmière. Elle habite en Géorgie. Elle n'a jamais été infirmière. Elle était à CNA. Ceux qui sont aux États-Unis ne vont pas comprendre de quoi il s'agit. Elle travaillait dans un nursing home. Et son mari était bassiste de cabaret. Écoutez. Ce qu'il fait toujours aujourd'hui, et il cherche aussi à faire les voix, les voix de peau, je ne sais pas. Son mari n'a jamais travaillé au FBI. Maman, elle est sur ce, c'est même pas le bois bébé. Il n'a jamais travaillé au FBI. Attendez, tu vas faire comment pour maintenir le security clearance avec toi sur les réseaux sociaux et avec tous les voyages à crédit que tu fais. Ibrahim m'a dit, Aïcha, pardon, je ne veux pas que tu parles de mon nom. J'ai dit que Ibrahim, mais on voit quelque chose sur les forêts. Il a profité de tout faire quelque chose sur les forêts. Il a dit que lui-même, le jour qu'il va pouvoir parler, il va parler. Mesdames et messieurs, je suis simplement en train de vous relater ce qui est déjà très simple. Voilà. Elle a dit à Simon, elle a dit à Philippe Simon, qu'elle a acheté sa maison cash, plus d'un million. Non, c'est faux. Elle a pris sa compagnie. Elle a mis dans un prêt auprès du développeur immobilier qui a vendu le terrain et qui a construit l'œuvre. Ils ont pris un prêt de 310 000 dollars. C'était en juin de l'année dernière. Sauf qu'au mois de juin, ils n'ont pas remboursé. Hein? Maman, c'est parce qu'il y a la machine qui tourne. Maintenant,
Tu as mis tout le volume. Regardez-moi, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes ont besoin de mentir autant. Parce que la machine qui tourne. Vous voyez, à gauche, c'est la maison qu'elle nous a présentée sur les réseaux sociaux comme étant sa maison. Elle a fini. À droite, c'est la maison de l'architecte. Est-ce que vous voyez? Ici, c'est la maison de la. Je ne sais pas si vous arrivez à voir de l'architecte. Ok. Donc, maintenant, c'est Médion. Elle est venue pour vous dire. Oui, elle a acheté un terrain. Oui, elle a construit la maison. Est-ce qu'elle nous a présenté sur les réseaux sociaux? C'est faux. Ce n'est pas parce qu'elle a montré sur les. Ce n'est pas parce qu'elle a montré. C'est pas la réalité en fait. Mesdames et messieurs, quand j'ai acheté ma maison, c'était comme une maison abandonnée, je l'assume. Parce que moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour vendre une rêve. J'aurais pu aller prendre aussi une vidéo, une photo quelque part et venir vous montrer que voilà la maison que j'ai achetée. Mais sauf que je n'ai pas de compte à rendre en fait à qui que ce soit. Je ne suis pas là pour vous vendre le rêve, je suis là pour vous dire qui je suis, comme je suis. C'est à prendre ou à laisser, j'aime le conversage, j'aime le babanage. C'est à prendre ou à laisser, je ne viens pas me donner une image qui n'est pas la mienne. Merci beaucoup, je ne sais pas qui vient d'envoyer aucun nom, mais vraiment, ma vidéo va être chic après. Aïcha, tu donnes plus, donc j'augmente ton j'enchaîne. T'inquiète pas, je vais te donner plus d'éléments. Tu vas monter en chrono, envoie les cadeaux, t'inquiète pas. Donc voilà, millions et millions. Quand elle a fait sa sortie, vous comprenez, je suis venue vous dire sur les réseaux sociaux que cette femme, elle a construit la maison. Parce que moi, je patrouille, non. J'avais tous les éléments ici. Si je vous dis que j'aime les éléments même de la signature, demandez-lui qu'elle me mette au défi. Que j'ai les éléments de la signature de son contrat. J'ai les éléments de la signature. Ouais, aidez. C'est bon. La dame, maman. Non, je viens de prendre. Elle a reçu une vidéo. Elle dit que Aïcha, si tu as je te donne l'autorisation. Oh, mon père, laisse-moi. Oui, ça va. Parce qu'à partir de ce moment-là, elle sera en train de me donner. Ouais, le Japon, c'est trop doux. Non, je demande si ça va. Je viens voir si tu vas bien. Oui, je vais bien, mon père. Oui, c'est moi qui ai ouvert. Quand elle a fait ces trucs-là, elle dit ça à ses copines. Vous allez voir. La maison que je sors. Attends, Pauline, tu demandes que pourquoi détruire sa sœur camerounaise. Celles qui sont en train de mettre détruire sur la toile. Qui siège à mettre détruire sur la toile là. Tu ne vois pas. C'est quand ça vous a arrangé. Tout le monde a parlé. Si vous êtes très attentifs, quand elle parlait, Félix Simon lui-même regardait comme ça, il disait qu'il manque de crédibilité. Mais il ne pouvait pas la discréditer auprès des téléspectateurs. Mais il faut être une rusée pour voir Félix Simon lui-même était en train de voir clair dans son jeu. Il était en train de dire que celle-ci serait une mythomane. Mais il ne pouvait pas le dire. Parce que ça serait aussi, en quelque sorte, le discréditer, puisqu'il invite des personnes influentes, il invite des personnes qui impactent. Donc, venir sur les réseaux sociaux comme ça, là, il venait dire que. Ça ne devait pas trop parler, quoi. Donc, voici une personne qui vient nous dire qu'elle a acheté sa maison à 1 million de dollars. Qu'elle a acheté à 1 million de dollars cash. Pourtant, nous connaissons la réalité. Okay, oh, tata, nous connaissons qu'en réalité, non, c'est pas possible. Elle a acheté sa maison, son terrain. Son terrain, vous connaissez Parrain Congo? Est-ce que vous connaissez Parrain Congo? Moi, ma cabane est dans un quartier résidentiel. Il faut demander, je ne suis pas en concurrence avec toi, mais tu t'es moqué de ma maison abandonnée qui réside dans un quartier résidentiel. Non, c'est comme Pitbull. Moi, je ne suis pas en concurrence avec les gens. Vous connaissez mon fonctionnement. Je ne voulais pas concurrencer les gens. Je ne suis pas là pour je suis en concurrence avec personne. Mais le Pitbull est sorti dénigrer ma maison et sa copine est arrivée. C'est quelque chose qui est inquiète même pas. Sa copine Amy a dit que ma maison c'est le tombeau. Pourtant, elle est en location. En location. Hein? Et c'est le mari de quelqu'un qui paye sa location. Dessus quoi, hein? Dessus quoi, s'il vous plaît. Donc, elle est assise. Maman, décortique ma maison. Mais quand on regarde, ma maison, quand elle va être terminée, elle aura la même valeur que
ce que tu as construit là-bas aux États-Unis. Elle est partie construire sur un terrain. Elle a acheté son terrain à 70 000 euros. Elle a fait son prêt à 310 000 et des brouettes. Et la maison n'est même pas encore totalement terminée. Elle est encore en construction. Comme vous pouvez voir, même pour moi, je suis toujours en travaux. Mais elle est déjà allée comme elle voulait son buzz. Comme elle voulait vendre le rêve aux personnes de son académie. Leur faire croire que bon, moi, écoutez, j'ai déjà ma Range Rover. J'ai ma grosse maison que j'ai acheté $1 million. Bah oui, c'est normal. Si tu viens m'étonner comme ça. Partager le live, mettez les cœurs, sécuriser notre live, pardon, sécuriser notre live. Et sans savoir que derrière ça, une grosse mythomane, une psychopathe, une déglinguée du cerveau, une saignée, c'est tout ce qui est l'incarnation du Belzébul. Tout ça là, c'est pour elle seule. Mesdames et messieurs, la maison que vous voyez cela, elle est venue vous dire ça. Elle a acheté à $1 million et elle a précisé qu'elle a acheté cash. Sauf que non, madame n'a pas acheté cash. Je vous ai bien détaillé ça ici. Et j'ai dit simplement qu'elle fasse une sortie. Je vais continuer. J'en étais où? Voilà. Ok. Donc, la maison qu'elle a construite, comme je vous disais, c'est $310 000 de prêt et 70 000. Donc, ça fait au total 380 000 au total. Mais nous, sur les réseaux sociaux, elle est venue nous dire qu'elle avait acheté à 1 million. J'en ai pas. Ne viens même pas me fatiguer, c'est ça, je suis mes choses. Derrière les personnes qui ont une notoriété. Elle aime se coller derrière les personnes qui ont de la visibilité pour essayer de gratter aussi un peu de visibilité. Et comme je vous disais donc, c'est une menteuse patentée. Voilà un personnage qui montre un visage d'ange. Mais le cœur est noir. Le cœur est noir, plus noir que c'est les lèvres de son génie. Parce que quand on met le jansan, c'est seulement les participes qui sont bruns. Pitbull, je manque les lèvres de ton gésier sont noires. C'est tellement noir que ton cœur. Les lèvres de ton gésier sont tellement noires que ton cœur. Pitbull, on va parler du physique des gens. Toi aussi, tu vas ouvrir tes grosses dents que tu vas te mettre. Tu ressembles à un cheval. Tu es parti poser les grosses facettes, on ne voit plus le visage dans mon... Quand on parle de mon physique sur les réseaux sociaux, tu veux parler. Est-ce que tu peux te mettre devant un... Maman, la poutre visse à la bouche. Mais tu vas brûler. Parce que le plastique, tu peux pas. Fesse, caoutchouc. Seigne, caoutchouc. Même le ventre, si elle coupe bizarrement, ça va tout être éclaté parce qu'on est parti couper, couper, couper. Donc voici avec deux enfants, mais je n'ai rien coupé. Mais quand on va parler de physique, elle est courte comme moi. On peut parler comme ça, on peut croire même qu'elle est grande. Elle est courte comme moi, comme ça. Le corps est disproportionné à sa morphologie. Quand tu vois le spécimen des pitbulls, le corps est disproportionné à sa morphologie. Gros petit. Mais c'est elle qui vient sur les réseaux sociaux, se moque de mon physique, qui n'a pas reçu de transformation. Le pitbull est tellement complexé que quand elle voit les fesses de Ruby, mais le pitbull, moi j'ai une question. Les Sonia sans outre-sang, Ruby sans outre-sang, ma, tu voulais les chier? Dis-moi, ma, si tu voulais les chier? Parce que la manière que tu fais la fixation sur le zout des femmes là, moi, I don't know, hein. Oh, le zout de Ruby est monté. Le zout de Lady Sonia et de Sancho. You fais les chiens. Tu veux les chiens? Mesdames et messieurs. Pourquoi les téléphones aiment faire ça? Quand on a le japap en cours. Attendez. Amy, la dernière fois. Tu as dit, vous savez, Epi ne voulait pas vraiment venir affronter Poupi. Mais, comme
intime. Vous voyez pourquoi notre communauté ne va jamais s'agrandir? Parce que on a un mal-être. Moi, je tiens à Ruby. Ruby, écoute, tu veux l'adresse, je te donne. Je te donne l'adresse du laboratoire. C'est pas en te donnant l'adresse du laboratoire qui va empêcher que je vende. Parce que les gens qui vont vouloir acheter chez moi, voudront acheter chez moi. C'est ça qui fait ta force, Alissa. Vont aller acheter chez toi. Ouais, pourquoi j'aime la fille ici? Tu vends à 400 euros, elle vend à 200 euros. Parce qu'elle est un peu comme moi. Je ne peux pas l'acheter chez vous à 400 euros. La mangue qui m'a mûri. La banane. Ah, pourquoi j'aime Aïcha? Parce qu'Aïcha est comme moi, elle n'a pas peur de partager. Elle est tellement complexée que tu ne peux pas aider ta soeur à développer un commerce. Oui. Parce que tu as peur. Tout ce que tu as aidé là, Aïcha, elle n'est là, on n'a pas fait. Parce qu'elle avait peur. Celle de ma canjo de Kribi, si c'est elle qui avait l'adresse de laboratoire, elle n'allait jamais te donner. À côté d'elle, comme le Gina, vous connaissez le Gina du chef, non? Vous connaissez le Gina du chef? C'est elle, c'est elle, chargé, elle, elle, elle voulait la garder auprès d'elle, comme des Gina, pour pouvoir les monopoliser, pour pouvoir les lobotomiser, ouais, Seigneur. Pour pouvoir entrer en eux. Attendez un peu. Parce que c'est une grande partisan dans la langue, une championne de la langue des mots, la langue des mots du Bénin, une ganganga. Quel gangan de quel pays elle ne connaît pas? Quel gangan de quel pays elle ne connaît pas? Donc, comme elle savait que Ruby a sa communauté, comme je dis des vérités, si elle ne garde pas Ruby auprès d'elle, Ruby peut la faire concurrence. Ma copine Léa vend les produits de beauté. Avez-vous entendu un jour que j'ai dit à Léa que je suis fâchée de toi parce que tu as ouvert les produits de beauté? Non. Mon ami de toi qui gagne vend les produits de beauté. Vous avez entendu un jour que je me suis fâchée et elle me le dit. Moi, je l'ai boosté à se lancer. Je l'ai boosté à se lancer. Tu m'as fait te lancer, lance-toi. C'est pas moi qui va nourrir tes enfants. C'est pas moi qui va nourrir tes enfants. Faut pas que je marche seulement avec toi. Tu m'aides à vendre, je m'enrichis et toi, tu restes derrière. C'est ça qui fait ta beauté. Léa, si Léa honnêtement m'a bouti, que des fois je me fâchais contre Léa, que tu fais quoi avec ta visibilité? Crée ta part. On est dans le vrai Jacob. C'est vous nous amenez les faux Jacob, des métaphiques, des modèles à périmer. Vraiment, lui dit, Lucelle, vous-même aussi, hein, tu, comment tu peux venir nous gâter un Jacob comme ça avec les Jacob périmés, mon frère? Et quand elle s'est lancée, je suis allée au Cameroun. Un peu changé, vous n'êtes pas fatigué de manger le riz tous les jours. Maman a 770 plaintes, m'avait porté plainte. Il fallait que je parte à gauche, je parte à droite. J'ai dit, je fais d'abord un tour chez ma copine pour lui donner un peu de force. Pause publicitaire. Mm-hmm. Pour avoir un tel éclatant foudroyant et lumineux comme la mère des lions, l'une des seules vendeuses de produits cosmétiques sans filtre, qui vient s'afficher dans tous ses états, je dis bien sans filtre, sans produit gagnant, ce sont les produits de chez Carmoz Beauty. Ça ne décape pas. Ça ne brûle pas. Quand à moi, que tu passes du poids, s'il ne te délivre pas, ah, il te laisse avec tes démons. C'est-à-dire, s'il arrive, s'il voit les boutons qu'il ne va pas enlever, il te laisse continuer à grandir. C'est un nazi qu'on ait fait le placement de produits. Donc, à moi, petit, quand tu te balades dans l'ombre de la mort avec à moi, petit, tu ne crains aucun mal. Parce qu'il y a eu l'eau sur le temps. Testez et approuvez pas la main des gens. Voyez tous les détracteurs que j'ai. Mais vous avez vu, ils ont fait quoi? Rien. Parce que je me balade. Ça, ce n'est pas les choses qu'on dit que l'autre fait. Moi, nous utilisons pour moi. Mm-hmm. Je fais tellement l'amour que je suis obligée de bien laver le chemin jusqu'à regarder à quel niveau se trouve mon chemin. Placement de produits, maman. Oui, non, Aïcha, je te donne les mêmes, maman. Parce que j'aime l'idée. J'aime pas comme chaque. Aïe, placement de produits. Bon, avant qu'il ne descende de faire la cave. Je dois d'abord bien la nettoyer, cette Jessica. Elle doit être impeccable, inodore et surtout sans saveur. Voilà. Non, mais non, c'est génial. Placement des produits. Maman d'Arrange Rose, vous n'avez pas l'intention d'affronter Ruby. Mais c'est alors là que le pitbull des États-Unis entre en jeu. Maman la Range Rover, le pitbull a refusé de te loger chez elle, non?
quand tu as voulu partir faire ton enfant, elle a refusé de le loger chez elle, oui ou non. Mais quand mon maman l'arrange au cœur, parce qu'elle va reconnaître ce que j'ai dit ici. Vous savez quoi la majorité? Moi, j'ai encore qu'un an à faire dans le Congo, ça après je vais laisser. Parce qu'on a beaucoup s'ouvrir les yeux, vous pensez que non, je déteste X ou je déteste Y. Non, ça n'a rien à voir. C'est que vos situations sont donc là, là, même pas de vous attendez. Et à un certain moment, il faut venir leur dire leur vrai nom. Donc, maintenant, c'est meilleur, excusez-moi. C'est donc là que, quand il y a un buzz sur Amy, ou quand Amy se trouve dans la sauce, c'est le pitbull des États-Unis qui prend. Elle partage avec ses amis pour se moquer. Pas les pommes de terre. Hein. Elle se joue les grosses lady. Pourtant, elle arrive. Maman, la rendre. Le pitbull t'a prêté $5. Oui ou non? S'il vous plaît, je ne vous vois pas attaquer maman, la rendre. Le pitbull t'a prêté $5. Oui ou non? Meilleur, c'est meilleur. Après vous. Parce que nous tous, nous faisons le conseil. Mais d'autres n'ont pas les tripes de pouvoir assumer comme je le fais. Moi, je le fais ouvertement. Je le fais devant les yeux de tout le monde. Je le fais ouvertement devant tout le monde que je fais le conseil. Et je vous ai toujours dit, précisément à toi, maman, la Range Rover. Faut lui avoir une Aïcha qui te dit ce qu'elle pense. Que d'avoir une pitbull qui te fait ça, bam, derrière le dos. Elle t'a prêté son argent. Tu as eu des difficultés pour rembourser. C'était elle qui était dans les inbox. Que vous voyez, elle est sur les réseaux sociaux. Elle fait les poèmes. Elle est ceci. Elle est incapable de me rembourser mon argent. Hein? Et quand tu étais parti faire les éloges à l'aide Sonia. Tu n'as pas de l'aide Sonia. Ah là 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 là. Si elle pouvait te donner le Arata Chokai, non? Elle allait te tourner. Arata Chokai. Donc, c'était jusqu'ici. Comme ça. C'est encore elle qui dit partout que tu sois avec un Seman. J'ai la photo du gars, la vidéo. Est-ce que j'ai à poster? Tu dis comment il était de l'eau. J'ai à poster. Je vais créer un faux profil et balancer ça. Ah, mais. Moi, je m'assumais. Alors, arrêtez de me signaler, ce c'est quoi votre sais. Problème? Ah bah. Merci pour les étoiles. Oh. C'est les étoiles ou c'est les cœurs? Merci. Celui qui n'a pas envoyé là, il en a dit ça, non. Franchement. Ton dégât de convoitant, non. Ça a été le sommet. Merci beaucoup. Mettez merci. Les cœurs, pardon, il signale notre Japap. Mettez les cœurs. Dans les vidéos. Je peux créer un faux profil. Mettez les cœurs. C'est ça. Mon nouveau couloir que j'ai pris ici, là, tous vont venir maintenant que passer ici. Ils sont là, ils ne créent rien. Quand tu viens avec ta chose, tout le monde vient se verser là-bas. Pas créer tu vas les voir maintenant bientôt, ils vont commencer à faire que ça aussi. Je suis pas lâche, moi. Tu as cru que c'est Koupi qui vient me donner les éléments parce que tu as reconnu que ce que j'ai dit souvent, c'est vrai. La main des gens ne connaît pas mentir. Je jure devant Dieu et devant les hommes que si je pouvais seulement sortir tout ce que je sais, parce que mon but c'est aussi sur faire le Congo ça et haïr, c'est deux choses totalement différentes. Vous devez un peu, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Faire le Congo ça et haïr, c'est pas mon fort. J'aime faire le Congo ça. Et j'aime surtout attendre que ça vienne se retrouver sur les réseaux sociaux. Si je voulais faire du sale, c'est que je ne prononce même pas vos noms. Voici, je parle depuis du pitbull. Celui qui veut comprendre, c'est qui comprend. Celui qui ne veut pas comprendre, ne comprend pas. Et ainsi, elle va me faire quoi? Même le micro-ondes. Elle s'appelle le pitbull. Donc, vous me dites que si je voulais vraiment faire le sale. Merci, mon signat. Si je voulais vraiment faire le sale. Que je vous aurais fait le sale ici. D'autres qui partent faire les deux d'Aliette, ça vient me retrouver avec les dons et les présents des pères. Elle aime rancher. Je n'ai jamais parlé. Donc, maman n'arrange qu'on veut.
dis que ta copine, quand tu étais aux États-Unis, que c'était chaud sur toi, père de ton enfant n'envoyait pas l'argent là. Que c'était chaud. Que pour moi-même, tu filmais les choses, tu t'achetais les choses, tu filmais, tu, que c'est le père du bébé qui a acheté la main. Eh? Merci, frère Bella, merci. Maman. Quand tu achètes des cadeaux, eh, maman? Tu filmes que c'est le père du bébé qui a acheté la main. Ah, pata. C'est comme ça qu'elle prend. Elle passe mon cas avec les autres copines que regardez-la sur les réseaux sociaux. Eh? Dans une de ses vidéos, elle dit oui, vraiment, il faut qu'Aïcha arrête. Elle est trop scénée de la vie des autres, mais il faut voir ce qu'elle fait derrière. Et c'est là que je vous dis que vous devez vous méfier, pas des blogueuses. Je vois beaucoup de personnes tirer sur elle de savoir. Reste de savoir, moi, vous dis ouvertement ce qu'elle pense. Merci, Priscille Aurore. Sa manière peut vous déplaire. Mais moi, non. Ce qui est dans son cœur à l'instant là, elle vous verse. Mais est-ce que vous savez ce que d'autres qui sont derrière pensent? Maman. Parce que les gens aiment bien. D'après mes patrouilles. Vous savez, c'est récemment que je suis sur TikTok que je vois un peu les vidéos de tous les autres congosseurs, congossistes comme moi. Donc il paraîtrait qu'avant, Reine de Saba aurait fait une vidéo où elle disait que le pitbull mentait son âge. Ça énerve le pitbull. Ça énerve, merci Marie-Gabrielle. Ça tellement énerve le pitbull. Le pitbull a dit qu'elle devait envoyer les tontos sur Reine de Saba. Simplement parce que Reine de Saba a dit que son âge n'est pas son vrai âge. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous venez vendre une image. Et vous vous attendez qu'on doit se faire ce qui vous plaît, ce qui vous arrange. Vous avez déjà vu ça. C'est une TikTokeuse. Vous avez déjà vu ça. Elle a aussi une page Facebook maintenant. Là, Congo ça. Beauty Congo ça TGV. Qui va finir avec sa soeur. Tout simplement parce que sa soeur a osé dire que son âge là n'était pas son âge. Un autre exemple, elle est allée dire qu'elle va envoyer Ruby au fisc. Ça, c'est plus que tuer quelqu'un. Quand tu as les fiscs derrière la peau, raison pour laquelle moi je sais que je suis détestée, je ne rate pas un mot pour aller faire mes déclarations d'imposition. Ton pipu, tu veux que je te montre? Ou demande-moi de te montrer. Je te montre. Parce que je sais que sur les réseaux sociaux, vous êtes foncièrement méchants. Qu'il y a certains jours que je ne blague pas avec. Je ne touche pas de CAF. Donc, si on me dit qu'on a envoyé la lettre à la CAF, ça va jamais venir me trouver. Je ne touche pas de CAF. Et mes impôts? Et mes impôts? Hein? Quand est-ce que moi je peux qu'elle a... Elle a cru qu'elle m'a critiqué, mais c'est une personne foncièrement méchante. Il suffit que tu aies un peu de notoriété pour qu'elle puisse t'en vouloir, en fait. Donc, Ruby, parce que moi, je ne sais même pas pourquoi Ruby me retient. Moi, elle balance les bêtises. J'ai dit, je ne m'attaque pas à sa vie privée. Je ne m'attaque pas à ses enfants. Mais les autres éléments, ils veulent faire, c'est ça pour vous. Ruby dit que non, laisse. Je te rappelle, je suis en direct. Ruby dit que laisse. J'ai compris. Les autres balles là, je garde ça. Mais il faut être diabolique. Vous souhaitez avoir le fisc. Le fisc peut faire ce que des habits. C'est pour ça que je sais que l'homme est tellement méchant qu'il est. Maman, je ne blague pas. Je déclare. Ah ça? Même le petit que Facebook me donne. Maman, j'écris. Non, il faut que vous aimez qu'on prouve. C'est vrai que ça fait mal quand on donne l'argent. Ah, non,
sur une autre téléphone, c'est un con. C'est sur notre téléphone, d'autres téléphones là. Jusqu'à la fin de ce mois, j'ai 4800 qui me restent à payer. La vidéo précédente que j'ai faite, je parlais de ça. Non, 4900, 1300, ils prennent 1300 chaque mois, 1300 chaque mois, 1300 chaque mois. Parce que j'évite, je sais que. Ah, merci, merci, Plantin Tandy. Moi, on le gros cœur. Tu sais qu'ils ont le gros cœur. Andy Dumont, du moment, bonjour. Ils sont capables. Voici une personne que tu disais, c'est ma soeur. Oh, petite femme forte. Oh, ma bestie. Baby, comme vous aimez vous appeler, baby. Baby, de quoi c'était la bestie? Que tu m'as envoyé les disques sur baby. Et pourtant, toi-même, les banques que tu faisais en France, tu ne les déclarais pas, ma chérie. Les banques que tu faisais en France, tu ne les déclarais pas. Rachel Gauthier, tu penses déjà comment tu as vu Amy Dani Basson se mettre en spectacle? Amy Dani Basson, elle ne va le pas. Diable s'habille en Prada. Mais ta belle bijou là. Le diable s'habille en Prada. Méfiez-vous de sa France. Je vous dis ça tous les jours. Ceux qui prennent la haine de Aïcha Kamoise, je vous ai dit que non. Je suis mieux que tous vos stars. Qui vient d'envoyer un cadeau. Merci MN qui vient d'envoyer un cadeau. Qui se déteste entre elles. Ce qui a séparé Poupi de Amy, par exemple, c'est l'esprit de concurrence. Merci Delice. C'est l'esprit de concurrence. C'est à un moment que vous expliquez que Poupi, quand Poupi a sorti sa part de marque de produits intimes, elle a fait tu vois alors. Tu vois comment l'homme noir est? Maintenant, pourquoi elle veut me concurrencer? Pourquoi est-ce que je sorte? Pourquoi elle n'est pas sortie sa part de produit? C'est comme ça qu'elle a commencé à détester Poupi. Et pourtant, Poupi, elle n'a jamais rien fait. C'est comme ça qu'elle a commencé à détester Poupi. Quand elle a donc vu que Amy est partie se plaindre chez Poupi, parce que le gars de Poupi a dit à Amy que Poupi parlait avec moi. Elle est partie se confier au pitbull des États-Unis. Quand elle part se confier au pitbull des États-Unis, le pitbull met le feu que non, il faut la toucher. Tu ne peux pas. Oh non, non, non. Là, voilà, là, maintenant. Elle fait vidéo sur vidéo, vidéo sur vidéo. Moi, là, non. Elle passe, elle parle de moi. Elle passe, elle parle de moi. Vous voyez ce qui n'est pas bien avec vous? Ce que je suis en train de dire. Vous allez croire que c'est Ruby qui me donne les informations. Comme la dernière fois, je suis venue parler de ma femme d'Arrange Rover. Vous avez dit que c'est Poupi qui me donne les informations. Vous voulez faire quoi avec mes sources? Je vous ai dit que les lions et les lions sont partout. Quand il vous dit que j'ai le cachet de la signature de son prêt, c'est pour Ruby qui est venu me donner. Ruby a pris ça où? Hein? Ruby, même, elle n'a pas logé même Ruby chez elle, donc Ruby. Je t'ai dit que. Mais c'est comme ça qu'il ne parle pas. Qui avant où la normale arrange, même tu seras même donné les papiers, qu'elle travaille au cadastre. C'est une jeune qui caote. Donc, on va venir me donner, je ne veux pas lui. Hein? Pourquoi vous voulez toujours associer? Ce n'est pas. Parce que. Non, c'est Ruby qui a dit que. Ruby a dit que. Après, c'est vous qui les captures d'écran, que c'est moi qui envoie les éléments à Ruby. Que c'est moi qui envoie les éléments. Qui a mis la tête de moi? C'est lui qui ne connaît même pas le nom. Le vrai nom de sa copine. Ok. Merci pour les cadeaux. Je ne sais pas c'est qui vient d'envoyer un cadeau. Donc elle était dans la métier là depuis, elle ne connaît pas son vrai nom. Sa bestie. Elle connaît que Belle. Belle n'est pas son âge que toi aussi. Belle n'est pas son âge que ma chérie. Hey. C'est moi qui l'appelle. C'est moi qui l'envoie la photo de son mari. Hein? Elle m'a dit que lui c'est son mari. Mais c'est moi qui l'envoie la photo de son mari. Est-ce que c'est elle qui m'envoie la photo du mari? Hein? Aïcha, dis-nous tout, mouillé, c'est mouillé. Merci beaucoup pour les cadeaux. Non! Pourquoi vous voulez à tout prix savoir qui a dit comme ça là, Aïcha? Qui a donc dit comme ça? Je vous ai dit que non. Parce que vous aimez trop mettre les gens au défi. Je vous ai dit. Et donc, c'est à partir du moment là, ok. D'abord, au départ, même, je ne l'ai même pas.
Mais quand elle a encore fait ce qu'elle a fait à Lady Sonia là, je l'ai vomi une fois. Elle me demande, je poste le document où il y a sa signature, c'est ça. C'est pas Ruby qui m'a donné. Ruby, elle ne connaissait pas sa copine là. Quand j'ai sorti l'accident là, non, mais Dieu, c'est meilleur, attendez, je vous raconte. Quand elle fait la photo de l'accident, elle poste sur les réseaux sociaux. Merci, FF. Quand elle poste la photo de l'accident, elle poste sur les réseaux sociaux. C'est alors là que Ibrahim prend, il note sa page. Que ouais, vraiment, ma grande Asia, pour ton accident, Maman. Elle appelle Ruby. Elle dit à Ruby que vraiment. Elle commence à insulter. Ibrahim, je ne voulais pas que ça vienne sur les réseaux sociaux. Ibrahim m'a amené sur les réseaux sociaux. Je l'ai bien insulté. Je l'ai bien lavé. Et tout. Mais Gigi, elle est malade. C'est une déglingue. Elle a des problèmes, elle. Hein. Elle veut se faire soigner. Et vous voyez pas qu'elle a des problèmes, cette meuf? La fille de ma mère a des problèmes. C'est le nom de ma mère qui était gâtée. Oh. Alors que la photo aussi, il y en a beaucoup. Les blancs sont dans son cerveau. Eka, c'est ton nom qui était gâté. Je vais signer la pétition pour pas aller mettre dans le centre. Mais pas flou. Ah, t'es pour le centre de boum. Vous êtes là, vous êtes là. On veut là, t'es pour le centre de l'ingé. Il y a un bouton qui a pété dans son cerveau. Et on va bien la meuf. Maman. Laisse-moi dire le dernier si. Oh, je suis assez tombée, c'est le magasin. Donne-nous tout, verse nous tout, dis donc. Non, elle dit ça à la fin. Non, elle dit qu'elle a. Vous êtes Ibrahim. Elle insulte Ibrahim. Ibrahim dit que même elle a mis sur les réseaux sociaux, non. Comme elle a fait là, non, qu'elle a demandé à Ruby que pourquoi tu as posté la photo de ma maison. Ce n'était pas la maison là que j'ai mis sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, souvent, non, elle manque même pour rien. Souvent, même, elle manque même bêtement. Maman, c'est comme ça qu'elle filmait mes immeubles ici. Là, elle veut me tuer. Je ne retiens de pas trop parler. On a dit qu'elle ne doit pas filmer. Parce que. Mes immeubles. J'ai dit qu'elle a trompé son mari, non. Tout bien dit qu'elle ne me taille pas. Et je ne vais pas détailler dans quelles circonstances elle a trompé son mari. Mais je dis qu'elle a trompé son mari. Je ne dis pas effort. Je ne vous dirai pas dans quelles circonstances qu'elle a trompé son mari. Rémi, toi aussi, ne nous fatigue pas, ne dis pas si les détails passent. Ah. Tu as fait, Aïcha n'a pas l'habitude de faire le genre de chocolat. Hein. Le monde qui suivait, tout bien, il y a une demi-heure qui est. Ah, Aïcha! Ouais, Stéphanie, j'ai fait quoi? Alors, il y a des personnes qui viennent sur les réseaux. Maman, allez filmer les voitures d'une accident, veuillez poster. Parce que tu as menti aux gens que tu as la Range Rover. Là, elle vient aux États-Unis, on ne voit pas la Range Rover. Tu vas filmer une Range Rover qui appelle. Eh, Seigneur, maman, le pareil, c'est ce que tu trouves. Nos mensonges nous rattrapent. Vous êtes plus pire que moi. Ce que moi, je le fais ouvertement. Ce que je pense de qui que ce soit, je le dis. Ce que je pense de qui que ce soit, je le dis. Pourquoi elle a pensé que c'est... Dès qu'elle a entendu que je parle avec Poupi, elle a commencé à dire que c'est Poupi qui vient de me donner ses banques. Elle m'avait traité de menteuse, moi. Elle m'avait traité, moi, et pendant ici, elle ne pas de maman d'arrange au meurtre. Maman d'arrange au m'avait dit que j'étais une menteuse, non. Qu'elle passe son temps à mentir sur sa vie, non. Aussi, elle ment sur ta vie. Pourquoi tu viens me dire que c'est vous qui viens me raconter des choses? C'est pour vous dire que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. C'est ça, là, ça, ça. Je peux m'en rajouter le piment, le sel, le sucre pour que ça soit un peu intense. Mais ces stars savent que moi, je dis la vérité. Elles le savent. Maman, un jour, on veut. Même toi-même, pour toi, elle nous trouver ça sur les réseaux sociaux. Pour toi, elle nous trouver ça sur les réseaux sociaux. Hé, peignez les yeux. Andika, tu sais quand on me lave. C'est vrai que quand on me lave, quand même, tu me dis pas. Non. Mais, va encore traiter l'argent. C'est tout ce qu'elle a dit.
de mes immeubles handicapés. Tu n'aimes pas ça. Mon héritage. Si j'ai implanté, maman, si propriétaire, maman, si on les appelle encore par la suite, ils disent actionnaires, maman. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a pas dit? Quand on visait la voix, ils disent actionnaires. Mm-hmm. Et que malgré ça, tu dois venir prêter de l'argent et que tu ne rembourses pas bien. Eh oui. La dernière personne chez qui tu es parti prêter l'argent, j'ai le papier. 10 millions, j'ai le papier. J'ai le papier. Papier, bon, mon bas. Vous voulez papier, j'ai. À côté si vous voulez balancer, normal. Tu as dit comment envoyer les photos de l'enfant. Si vous voulez balancer, balancer, je suis bien balancer vos choses. Pourquoi vous ne pouvez pas? Moi, je veux profiter des 9000 personnes qui sont présentes ici là. Pourquoi vous ne pouvez pas faire la différence entre le ah, ça, 9000 personnes sur YouTube. Et, nous, on commande ce que vous nous montrez. Vous passez le temps à nous mentir, à nous vendre le rêve, à faire en sorte que d'autres s'en veulent même, si je peux le dire. Parce que dans les voices que Belle a envoyé à Ruby, elle dit à Ruby que Ruby n'est rien, que tout le monde a avancé, sauf elle. Sauf que moi, je dirais que Ruby, chacun avance avec son rythme. Voilà. Chacun avance avec son temps. Les cinq doigts de la main ne se ressemblent pas. Faut pas te précipiter. Elle avait la soucée, là, déposée maintenant qu'elle est rien. L'horloge. On a débuté pratiquement ensemble. En tout cas, tu me dépasses. Quand tu as eu ta maison, quand hey, tu as ta première voiture. Tu as deux immeubles. Quand moi, j'étais là, que tu as dans ma main enceinte. Le permis français, avec la nationalité, est-ce que tu as ça? Non, on n'est pas maman, tu me dépenses. Il n'y a rien de tout ce que tu as cité là. On est resté hey. Ensemble. Moi, je parle de ma propre. Je suis une pauvre femme de ménage. Moi, je parle de ma propre. Réduis ta vente de savon que j'achète à 1 euro. On est resté ensemble. À 0. Tu as deux enfants. Un, c'est un braqueur. Non, maman, handicapé, tu me dépasses, hein, ma. Et bah, je me retrouvais avec hey. Un enfant dans les mains, il fallait que je me. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Je porte moi ton sac handicapé. Ruby avait encore le poids en poupe. Ruby venait, est acheté sa voiture. Les gens, oh, ouais, ta copine Ruby a acheté sa voiture. Ta copine Ruby est ceci, ta copine Ruby est cela. Mais ça ne me faisait pas culpabiliser ou quoi que ce soit. Tu as eu ta voiture avant moi. Tu as fait plein de choses avant moi. Faut pas que quelqu'un vienne te dire ça que non. Aïcha, elle a fait ci, toi tu n'as pas encore fait. Chacun avance avec son rythme. Chacun avance avec son rythme. Demain tu peux me dépasser. Demain tu peux avoir un business là qui me dépasse. Faut pas que des paroles, parce que souvent certaines personnes qui lancent des paroles, je vous dis la vérité, ça touche d'autres personnes. Notamment ceux qui n'ont pas les esprits assez forts. Faut pas qu'ils viennent te faire croire que non, je suis supérieur à toi, je ne suis pas supérieur à toi. Tu avances juste à ton rythme. Voilà. Faut pas aller faire n'importe quoi parce que les gens vont dire que continue dans ton rythme. Tu es une femme forte et battante, tu te bats très bien. Tu aurais pu vendre le Puma, je connais. Ah, pourquoi j'aime Aïcha hein, parce que je m'en vois en elle. Tous les gars qui t'ont elle n'est pas une vie d'elle-même. Et quand elle peut aider, elle aide. Est-ce qu'on veut pas les gens, Aïcha? Et personne n'est parfait. Parce que j'ai vu, tu as dit que tu devais aller voir le psychologue et comme ça. Je n'ai pas dit que c'est pour les faibles. Ne pleure plus jamais devant qui que ce soit. Peu importe les paroles du compte. Non, elle n'est pas sans doute la faiblesse. Ça, c'est la chose que j'aime d'elle, en fait. Mais tout ce monde qui tourne autour d'elle, là. Tout le monde là. Moi, je ne suis pas la vôtre. Là, moi, ils disent ce que je vois. Hein. Même Manjanga de Kribi que Aïcha a aidé là. Si c'était Manjanga de Kribi qui avait la possibilité qu'elle peut aider Aïcha, elle n'allait pas le faire. Elle n'allait pas le faire. Je le dis. Mais je te dis encore que les cinq doigts de la main ne se ressemblent pas. Donc avance avec. Et c'est pour ça que Dieu l'a béni. Vends tes choses comme tu vends. Mais qu'on ne te fait pas comprendre que tu as échoué, tu n'as pas échoué. Parce que personne ne maintient la vie de l'autre. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui agrandit.
C'était juste une petite parenthèse que je voulais dire à Ruby. C'était juste une petite parenthèse. Je ne vais pas durer. Je vais laisser le direct ici. Parce que je ne veux pas trop rentrer dans les... Je vous ai donné quelques petits éléments. Et puis, si elle fait une sortie, je vais rebondir. Pourquoi on s'emprunte, Fonga? À la guerre, mes lions et mes lions, on ne sort pas tous les ans. Pas possible. La dernière fois, quand maman m'a sorti, c'était pour me pousser à crier sur les gens sur Facebook, grande artiste. Elle est réduite à devenir la mère de l'enfant de... Amé Noirat, Noiro. Amé Poussin. Eh, hey, Seigneur Jésus. Voilà. Après, ça va venir sortir la bouche. J'ai dit qu'il y a ceux qui ne sont pas contents. Aïcha, tu es intelligente. J'en ai donné assez. Je vous ai envoyé certains éléments. On attend sa sortie. Et ton bon cœur fait en sorte que Dieu te protège. Elle est des amis. Bon, ça serait vraiment très difficile pour elle de pouvoir sortir ou venir dire quoi que ce soit. La dernière fois, la dessert était l'autre Sonia qui ne voulait pas venir patauger dans la boue. Bébé Poussin, je te dis que... Eh, Seigneur. Moi, personnellement, je suis déjà grillée. Donc, merci aux 9000 téléspectateurs. Merci de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Merci d'activer la sonnette de notification pour ne rater aucune... aucune publication. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de directs sur YouTube, mais je vais essayer, voilà, de... Je crois que c'est très cool. En plus, ici, là, on donne même beaucoup d'argent que sur Facebook. Donc, Andy! C'est bon, on va faire Facebook là-dedans. Ça sent moi là, maintenant. Hein? Mais quand même! Mesdames et messieurs, pour terminer ce petit direct, je vais vous donner un petit élément. Vous connaissez ma gloire. Est-ce que vous connaissez ma gloire? On est dernier, je vous donne un petit socle. Vous connaissez ma gloire? Ma gloire, est-ce que vous connaissez ma gloire? C'est avec ma gloire qu'elle a trompé son mari. Dis-moi, je ne connais pas, que je ne crois pas. Vous connaissez ma gloire? Oui, on connaît, parle. Est-ce que tu vois mon commentaire là? Vous connaissez ma gloire qui dit que. Qui parle à la famille? Qui parle de l'homme là? Vous ne connaissez pas ma gloire? Ok, bon, je vais vous montrer sa photo sur ma page et puis je vais vous donner les éléments. Bon, maintenant, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Vraiment, c'était trop bien le direct ici. Maintenant, on fait comment vous couper. On coupe comment. C'est que moi, je suis novice. Pour ceux ou celles qui veulent acheter des produits, vous allez directement sur le site internet. Merci beaucoup, Marianne. Je ne sais pas c'est qui vient. Chère petite reine, merci beaucoup pour le cadeau. Merci, c'est gentil. Merci à toutes les personnes qui m'ont donné les cadeaux aujourd'hui. Vraiment, c'est bien. Hein? Mais comment? Tu m'as pas dit que YouTube était bien comme ça et maintenant elle me fatigue la page sur Facebook. Oui, non, parce qu'on l'a étouffé. C'est vrai, ça n'a pas été à la hauteur de moi non plus, de mes attentes. YouTube va bien. La prochaine fois, là, non. Laisse nous bé. Non, c'est parce qu'on l'a étouffé, Aïcha. En tout cas, merci à tout le monde. De toutes les façons, Aïcha va revenir, ne t'inquiète pas. Quand moi, c'est plus, quand vous parlez sur la barre de recherche Google. Vous c'est juste qu'à moi, ce but, je vais tomber sur le site internet. Et on a la boutique physique aussi où on vend les perruques, on se coiffe. La boutique physique est à Évreux, Normandie. Voilà ça, Évreux, Normandie. Je vous laisse. Ok. Donc, le live Aïcha est fini. Bon. Un peu de commentaires avant de couper ici chez nous. Vous avez alors écouté le live. Maman. Hey! Bon, ce n'était pas trop ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de non-dits qui n'ont pas été dits. Mais bon. Elle nous a laissé sur notre fin. Ruby a peur, la rose. Elle s'est trop livrée à cette femme. Ah, ben bon. Il y a eu trop de non-dits. Bon. Ça nous a laissé à notre fin, mais c'est pas grave. Mais connaissant Aïcha, là, je pense pas que l'affaire... si un milliardaire des États-Unis fait gnac, tout ça là va venir nous trouver ici. Sur ce, pause publicitaire, pour avoir un teint propre, une belle peau, une peau lumineuse, une peau
éclatante, une peau bien hydratée, foudroyante. Je vous conseille ici d'utiliser les savons de la rose africaine, les savons de la gloire glorieuse, les savons anti-jalousie. Je vais prendre, attends Stéphanie, je finis la pub, je te prends. Les savons anti-jalousie, les savons anti-aigreur, les savons qui sont en ce moment en train de donner les gouattes. Maman, le petit savon magique que vous voyez ici là, vous avez deux savons qui sont uniquement pour le visage. Vous avez le savon Okyokuma et non Kukuma. J'ai entendu les gens dire que Kukuma, ce n'est pas Kukuma, c'est Kyokuma. Savon Okyokuma avec sa crème de visage. Hein? Même prononcer, vous n'arrivez pas à prononcer, c'est Kyokuma et non Kukuma. Kukuma, ce n'est pas Kukuma. Hein? C'est le savon Okyokuma avec sa crème de visage Kyokuma. Voilà, qui fait un très beau travail. Voilà, ça vous hydrate la peau, ça vous illumine la peau. En plus, vous avez le savon à la bave d'escargot avec sa crème de visage, sa gel, crème gel visage. Ce n'est pas un masque, c'est une crème gel visage. La preuve, je ne sais pas ce que les gens sont allés ramasser ils ont dit que c'est où là? Qu'ils sont en train de mettre sur les visages là. On mélange ça avec les urines. Jusque là, il y a tout le visage est tout boutonné avec les taches noires, maman. Quand vous voyez, j'utilise mes produits. Hein. J'utilise ma crème de visage. Regardez mon visage. Est-ce que quand vous regardez mon visage là, ça ressemble à ce que les gens disent qu'ils utilisent, que c'est mes choses qu'ils utilisent? Est-ce que mon visage ressemble à leur visage? J'ai déjà fait les démonstrations ici. Le matin après mon bain, où je vous montre comment je suis en train de mettre ma crème de visage au curcuma. J'ai fait la démonstration le soir, où je vous montre comment je mets ma crème à la barbe d'escargot. Mon Dieu, le visage vous coûte 40 euros. Plus les frais d'envoi du pays où vous résidez. Si vous êtes en France métropolitaine, c'est 5 euros les frais d'envoi. Si vous êtes dans l'un des pays de la communauté européenne, c'est 8 euros les frais d'envoi. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, hein? C'est 15 euros les frais d'envoi. Ou au Royaume-Uni, c'est 15 euros les frais d'envoi. Ensuite, j'ai des kits. Il y a le kit visage qui est à 40 euros avec les frais d'envoi du pays où vous résidez. Il y a le kit de 50 euros qui est composé du kit visage plus un savon à votre choix, un savon hydratant à visage universel à votre choix, soit à la carotte, soit à la vitamine C. Maintenant, j'ai le kit de 60 euros, tous les 4 savons plus les 2 crèmes de visage. Ah oui, il a illuminé mon visage. Hein? Donc, et maintenant, vous avez le kit de 100 euros que voici. 100 euros. C'est-à-dire en doublant la mise. Parce que mes clients du Canada, des États-Unis, des Royaumes-Unis, ils aiment prendre le kit comme ça de 100 euros. Ça fait en sorte que ils en ont au moins pour 2 mois, le temps que ça finisse, et ils reviennent encore chez leur rose. Hein? La plus belle fleur du jardin des roses, c'est moi-même la maman des roses. Donc, ça, c'est un kit de 100 euros avec les frais d'envoi. Oui, en Angleterre. Angleterre, non. Les Royaumes-Unis. En Angleterre, c'est 15 euros les frais d'envoi. Royaume-Uni, États-Unis, Canada, le pays où coule le miel. 15 euros les frais d'envoi. Voilà. Donc, vous pouvez payer via PayPal, via Paylib ou les identifiants. Je vous envoie mes identifiants bancaires. Vous payez aussi via mes identifiants bancaires parce que je déclare tout, maman. Hein? Soit vous payez via RIA. Voilà. Donc voilà nos savons. Sans oublier que la rose africaine du votre rose marque la rose, la maman des roses, la rose africaine du 237. C'est une femme aux multiples casquettes. Même comme à l'heure, c'est là. Les casquettes vont se reposer un peu parce que vous voyez ce joli bandeau perruque. C'est un bandeau perruque. Hein? Ce joli bandeau perruque m'a été offert par ma petite princesse qui m'a dit, maman, j'en ai marre de te voir avec les bonnets tout le temps. Voilà, elle m'a pris comme ça 2 couleurs là. Voilà. C'est chic, c'est glamour. Ouais. Et ça me rajeunit là. Hein? Merci. Donc, j'ai aussi un petit pôle culinaire que j'ai développé. Raison pour laquelle ma chaîne YouTube, parce que maintenant,
je vais souvent faire des vidéos de cuisine sur ma chaîne YouTube. Allez massivement vous abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai épinglé le lien là. De la chaîne Botoni, c'est comment? J'ai épinglé le lien là de ma chaîne YouTube. Parce que je vais souvent faire des vidéos culinaires là-bas, par là-bas. Donc, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement parce que il faut un nombre d'abonnés pour que je puisse faire les directs. Pour l'instant, je ne peux pas dire que les shorts, c'est comme ça qu'on appelle les shorts, dans les petites vidéos, vous voyez, comme les réels, quoi. Comme les petites vidéos TikTok. Il n'y a que ça que je peux faire pour l'instant. Le temps d'avoir les abonnés et faire les lives là-bas. Donc, c'est à vous de me surlever. Donc, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mon lien YouTube, je l'ai épinglé là. C'est Hermine Ndale. Hermine Ndale. Le beau nom, le joli nom. Ruby en direct. Maman, donc, on ne va pas dormir. Je travaille demain matin. Je vais chercher. Hein? Je finis la pub. Je mets Ruby. Le beau nom que ma mère, mes parents m'ont donné. Donc, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et j'ai aussi le concept Beignet Haricot tous les dimanches. Et pour vos événements, anniversaire, mariage, baptême, etc., etc., vous contactez la Rose au 07 54 51 83 48. Voilà. Parce qu'on m'a dit à toi, je sais que je suis pauvre. Il faut que moi, je construis les immeubles là. Hein? Mes immeubles penchés là, je dois les redresser. Vous avez compris quoi? Voilà. Mais moi, je vais construire mes immeubles avec le bon argent. Hein? L'argent durement travaillé. Je ne vais pas construire mes immeubles avec l'argent que l'incachant a fini de me... Après, il clash même sur moi. Il clash. Hé, Antiana Amugo. Hein? Vous avez compris, non? Coucou, FMA Fouchou. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il me faut beaucoup d'argent. Donc, achetez. Surlevez-moi. Hein? Surlevez-moi. Je compte sur vous. Parce que vous savez que j'ai un fils qui est braqueur au Cameroun. Il me faut tout le temps l'argent pour aller l'enlever. Quand il vient de braquer comme ça, là, pour aller le sortir de la prison. Pardon, il faut me surlever. Hein? Voilà. Donc, c'était la pause publicitaire. Hein? Karine Doussouri, quoi? Hein? C'est la vérité? Donc, quand vous voyez mon visage, là, dans l'angala, je suis qu'elle met même le masque, là, comme ça, elle dort avec. Hé, Anna Wamae, Seigneur Jésus. Hein? Quand vous voyez, regardez le visage. Hein? Regardez quelqu'un, je ne sais pas où elle peut prendre sa part de trucs périmés qu'elle met au visage, maman. Le visage de ça, les boutons de ça sur le visage, ça vient me parler. Zounia, comme moi. Je viens de m'abonner. Merci beaucoup, Adi, du moment. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Hein? J'ai vu une autre frustrée. Je prépare le coquille de mon mari. Voilà mon mortier qui a tourné mon mortier qui a tourné mon coquille ici. Voilà ça. Voilà ça ici. Comment les jaloux de ça? Voilà mon mortier. Voilà le pizza avec lequel j'ai tourné ça, ma. Je prépare mon coquille ici dans ma cuisine. J'achète mes feuilles à Château Rouge. Hein? Parce que je suis en train de faire la promotion de mon culinaire. Je fais du bon coquille. Mon coquille réussit. Ça sort nyangalement, nyangalement. Et poste ça sur les réseaux sociaux. L'idiote vient écrire en bas que va supprimer le coquille. Ça a été fait au Cameroun. Voilà le mortier où j'ai tourné le coquille. Là. Voilà le pilon de ça ici. C'est ici là. Que j'ai tourné ça. Parce que j'ai décidé de vous montrer. Hein? Parce que je montrais. Il y a beaucoup là qui m'insultent dans les réseaux sociaux. Mais beaucoup ont triché ici chez moi. Ils ne montrent plus. Tous ceux qui veulent voir, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Hein? Hein? Tous ceux qui veulent profiter de mon savoir culinaire qui m'a été laissé offert par mes parents, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est là-bas, c'est par là-bas que ça se passe. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Voilà. Les idiotes comme ça là qui ne peuvent même pas profiter. Hein? Combien de fois j'ai fait les sauces gombo ici en direct?
Au lieu de venir profiter, regarder, apprendre, ça vient m'insulter. Hein? Ça, deux comptes YouTube. Non, j'ai un seul compte YouTube pour le moment. C'est Hermine et Ndale. Allez vous abonner là-bas. Maintenant, je ne sais pas si c'est deux comptes. Peut-être que j'ai deux comptes, mais allez vous abonner sur celui que j'ai pinglé là. N'importe quoi. Petit sabotage à deux balles. Ça ne peut pas passer avec moi parce que je suis une femme battante. Je suis une femme qui se bat. Je n'ai jamais vendu, je le rêve. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Ce n'est pas aujourd'hui. Merci pour tous vos soutiens. Je vois. Vous devez avoir honte. Vous sabotez une soeur. Maman, dans votre vidéo de sabotage, maman, vous avez vu les commentaires. Hein? Je dis que quand tu es quelqu'un qui a un bon fond, même le diable bat ta campagne. Je dis que même le diable bat ta campagne. Merci beaucoup, ma petite soeur Pispis. Tu es un amour. Tu es un amour. Merci beaucoup d'avoir été là. On dit que vous vivez en direct. Je cherche. Je nous mets. La méchanceté à outrance a dit du moment. La méchanceté à outrance. Ils n'ont même pas honte. Hmm? Maman a posté mon coquet que mon chéri a mangé jusqu'à sa pensée. Hein? Il vient dire que oh, ça a été fait au Cameroun. Va supprimer le coquet parce que ça a été fait au Cameroun. L'an. La jalousie et la méchanceté de ça. Voilà. Ça a été fait au Cameroun. Il m'avait cherché Ruby. Non. Aïe. Je vous dois quoi? R-U-B-Y. Non, il ne sait pas. Ici, là, c'est juste un compte de musique. Hein. Espace. L. A. Espace. M. I. J'ai trouvé. Est-ce qu'elle allait en live? Quel que soit ton rang social. Elle a fini. Ça voilà, mais elle chante seulement. Elle n'est pas en direct. Qui a dit qu'elle était en direct? Ah, Bibi la milliardaire ici, elle chante. Ma Rose, il y a eu des directs aujourd'hui. Oui, je viens de finir. Comme un concentré de printemps en bouteille. Les mains très chères, comme si séchées en plein air. Non, moi, elle fait plaisir de décryptage. Hein. Quel que soit ton rang social. Elle n'est pas en direct. Quel que soit tes comportements. Quel que soit tes titres. Elle est en direct. Elle est en direct. Envoyez-moi alors le direct. Envoyez-le sur le compte aussi. Envoyez-moi le lien du direct de Ruby. Elle est en direct sur YouTube. Si elle est en direct sur YouTube. Bon, je ne trouve pas. Envoyez-moi. Venez, je mets entre dedans, tu partages sur la dure d'acide bas. Comme ça, je retransmets. Va prendre, tu partages ça, tu m'envoies ça, tu partages ça sur la dure d'acide bas. Je retransmets ici. C'est ce que Nice Anita a fait la dernière fois. Sinon, je suis obligée de vous couper ici pour aller fouiller sur YouTube. C'est Ruby qui est en direct sur YouTube. Attendez. Restez connectés. Hein. Maman, quelqu'un travaille demain. Bon. J'ai partagé. Attendez. Revenez. Attendez. J'ai partagé. C'est vrai, là, en direct. Maman, affaire déjà papier, ça ne nous laisse pas. Oh.
Hey. Et où eux? Ruby. Dis que j'ai voulu lui prêter 5000 euros. Ah, Ruby va tout faire, ça l'angala va sortir. Dis que j'ai des fausses fesses. Adama, on peut faire ça. En tout cas, elle t'a fait ça. Et comme elle savait que c'était les brumeurs qui étaient déjà sur les réseaux sociaux, donc si elle venait dire ça, les gens allaient dire que comme c'est ta copine, c'est là où j'ai dit que je marchais avec une vipère. Parce qu'elle s'est servie. Elle s'est servie, en fait, de choses que les gens disaient sur les réseaux sociaux pour pouvoir m'atteindre. J'ai fait la publicité de cette femme. Je ne la connaissais même pas vraiment. Je n'ai pas demandé un centime. Quand elle a cogné à ma porte, elle pleurait partout que les tatas ne voulaient pas faire sa pub. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, elle nous a manipulés. Parce que quand elle est venue me dire, tatas ne voulait pas faire ma pub, elle sortait les noms que je ne connaissais pas. Moi, à l'époque, je n'étais pas sur YouTube. Donc, il y a des gens que je ne connais pas. En fait, dès que tu refusais de faire sa pub, tu étais son ennemi numéro un. Et comme elle savait que j'étais bleue, sur les histoires-là, elle est venue me voir. Elle a dit, s'il te plaît, parce qu'elle a un mode opératoire. Si vous remarquez, elle s'accroche toujours vers les personnes qui ont la notoriété. Si elle voit que tu as une petite notoriété, une petite lumière. À l'époque-là, je venais de faire mon accident. Donc, toutes les personnes, tout le monde avait les yeux sur moi. Je vous ai dit que c'est quand j'ai eu mon accident, à l'époque, qu'elle est entrée dans ma vie. Donc, forcément, elle savait que le monde, les yeux étaient cerisés. Oui, Ruby, elle est belle perruque. Hein. Elle est très belle perruque. Là où elle a fait la vidéo. Et tout de suite, moi aussi, j'ai fait sa pub. Et quand je fais sa pub, je fais sa pub gratuite. Non. Donc, quand la fille s'assoit, même elle parle de jalousie. Maman, le Congo, ça a l'air là. Maman, Rachel, le Congo, ça m'a pris. Je ne savais même pas qu'elle avait l'argent. Les vrais Congo, ça, des devs. Elle est tellement gentille. Les milliardaires de Facebook. Moi aussi j'ai vu petit. C'est quand tu écoutes les directs de Tata Po, c'est la première fois que j'ai écouté ton direct. La première fois. Moi je t'ai détesté Tata Po parce que un jour tu m'as accusé que j'ai insisté beaucoup et bien. Alors que tout le monde sait que j'ai toujours défendu cette dame sur mes réseaux. Malgré qu'elle a dit que c'est à cause d'un homme marié que j'ai volé ou je ne sais pas quoi. Et ça là, ça m'avait énervé. C'est pour ça que j'avais ton macabre. Donc, comme elle savait aussi que j'avais ton macabre de son côté, et qu'elle aussi, vous avez déjà vos problèmes. Donc, quand elle m'a parlé de toi, j'ai dit que la tata Bola, je ne l'aime pas. Parce qu'elle a inventé des trucs sur moi. Moi, je n'ai jamais détesté le coco. Moi, je n'ai pas la haine de détester les gens. Je ne sais pas détester les gens. Même elle, là, je ne la déteste pas. Parce que si je détestais cette femme, je devais donner à tous les blogueurs qui sont venus me donner des informations. Oui, elle ressemble beaucoup à sa tante. La voisine de... C'est pour ça. Je vous ai dit pourquoi je suis sortie. Je suis sortie parce qu'à un moment donné, je me suis dit, attends. Même l'accent, même la façon de parler. Des choses en privé. Pendant que je prie, pendant que je demande à Dieu de me donner l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse, fait de page à page, elle raconte aux gens. La dernière fois, je ne vous avais même pas montré le voice, le direct, la personne à qui je suis allée sécuriser. Elle a de très belles perruques, Ruby. L'information là, c'est ma petite soeur. J'ai envoyé à ma petite soeur parce que ma petite soeur, c'est mon ventre, c'est mon bas ventre. Et quand j'étais en direct, elle m'a envoyé. Là où je. Ah, ça, c'est ma belle soeur. Ma soeur. Quand j'étais en direct, elle m'a envoyé. Il y a une abonnée qui était venue me parler. Elle s'appelle Maël90. Coupée tête. Mais sauf qu'elle n'est pas coupée tête pour jeter. Ruby est belle. Tu vois que ton corps n'aime pas la douleur car tu ne descends pas comme. Sa tante s'est coupée tête pour jeter. Et c'est là où je dis je fais ça pour ton corps. Et c'est là où elle dit tu le fais en public, soit légitime que je te donne mon avis. Après, j'ai dit comme elle a vu que. Je ne sais même pas pourquoi, donc j'ai juste dit, je fais ça pour ton corps. Après, dit, sois pas mal poli avec moi, ok? Ta copine dit que tu vends. Tu es dépassée.
Donc, après, je dis les preuves. Si je vends, ça veut dire qu'elle aussi, elle vend. Je ne sais pas si ce sont ses amis. C'est ça qui m'a... Donc, j'ai dit, attends. Et même, c'est elle-même en faux profil. Je préfère prendre les prières pour dire que, bon, on calme le jeu, c'est vrai, ça s'est caté, on s'est bien insulté en privé, chacun prend sa route. Donc, elle est continuée à faire le sabotage en back-back. Aïcha m'appelle. Je ne donne pas les informations à Aïcha. Aïcha n'a aucun voice de notre dispute. Je ne donne pas les informations à Aïcha. Je bloque ces informations. Ruby, à un moment, tu dois arrêter parce que ça, tu as là combien de lives elles sont. C'est-à-dire, j'ai pris seulement quelques personnes dans mon entourage qui sont sûres. Tu insultes mon enfant. Tu pars. Tu commences à raconter des choses que tu sais que ça peut nuire à mon image. Dieu merci, j'ai déclaré mes impôts avant. Et j'ai fait tout. Ce qui était là, je vois, il demandait que oui, elle n'a pas. J'ai fait le. On a guidé mon compte. J'ai fait ce qu'on appelle le rappel. On avait joué un jet, machin, tel nuit, machin, tel année, tel. On a tout pris. Heureusement. C'est que la fille a m'envoyé les impôts comme ça, j'allais être la plombe. Et ce n'était pas que je ne voulais pas. C'est parce que je n'arrivais pas. Et j'ai même dit ça ici sur les réseaux que je cherche une comptable. Tu connaissais ma faiblesse. Et c'est là où tu as voulu m'attaquer. C'est même ça qui m'a fait pleurer. Parce que je me suis dit que si quelqu'un veut t'envoyer le fisc, elle peut t'empoisonner. Si quelqu'un t'envoie le fisc, elle peut t'empoisonner. Je ne t'ai fait pas. Toi-même, pendant les années ici, là, ne me fais pas parler. Belle Europe, ne me fais pas parler. Belle Europe, ne me fais pas parler. Toi-même, je ne comprends pas que toi-même tu fais certaines choses, mais à d'autres, tu vas aller faire comme si. Naya, on peut se taper, on peut s'insulter. Insulte-moi les fesses, elle me dit que c'est faux. Vous savez pourquoi elle a dit que ma. Déjà, ce n'est même pas la crème, elle n'a pas dit que je sentais mauvais. Vous savez ce qu'elle a dit de pourquoi elle a dit que je. L'affaire de Santa là. Dis-nous. Elle va vous dire. Dis-nous. On a dit juste pour ça. Petit story time. On est en train, on est aux États-Unis. Je vais vous faire deux petites choses qui ont commencé à faire que la fille là, je me suis demandé que, mais elle est normale. Elle m'invite à Abidjan. Quand j'arrive à Abidjan, elle ne m'avait pas dit que lors de l'ouverture de son magasin, on va faire la vente. Elle a dit que non, elle va inviter Ibrahim. J'ai trouvé que l'idée était bonne. On arrive. Je vous jure que le jour-là, j'ai travaillé. Ah oui. Oh, Njinda Promax. Il fallait me voir. Les gens qui sont venus, venaient témoigner en commentaire. Je parlais avec les... J'étais devenue vendeuse de produits. Alors que je suis ambassadrice. Vous savez déjà vu quelle ambassadrice allait vendre. Elle ne m'a pas dit qu'on partait vendre. Parce que c'était ma copine. Parce qu'il faut oublier, et n'oubliez pas que avant qu'elle soit, je sois ambassadrice, on était d'abord amis. Le jour-là, je parlais au client, je dis voilà, elle me dit souvent que voilà, il faut que tu les prennes, c'est chez moi qu'elle a pris ça. C'est comme ça que je vendais ses produits. Quand je parlais de ses produits intimes, j'ai dit, ça là, c'est le doliprane de la femme. Chaque femme doit avoir ça, c'était mon idée de marketing. C'est ça qu'elle utilise pour vendre ses produits aujourd'hui. Je parlais avec tout le monde, je parle là-bas. Quand je finis, elle vient se voir, elle vient me voir. À un moment, je ne sais même pas, je parlais, je ne sais pas, j'étais placée. Je me suis reposée deux secondes parce qu'en plus, j'avais les talons et tout. Elle me dit, toi là, depuis tout à l'heure, tu ne fais que prendre les photos au lieu de travailler. J'ai dit que Seigneur, ma tête a disjoncté un bout d'abord comme ça. J'ai dit que, comment Mina est à Konabon, ça n'est pas la qui comme ça. Comme je vous dis là, elle me dit, toi depuis tout à l'heure, tu ne fais que prendre les photos au lieu de travailler. Écoutez, quand je vous dis que je demandais à Ibrahim, je travaillais, j'avais les talons, j'ai même enlevé les talons. Les gens qui étaient venus le jour là à Abidjan, je vendais les produits. Tu me parles comme ça là, je porte mon sac, je pars. Je ne sais pas si c'était une blague, mais en tout cas c'était mat. Donc, ça m'a tellement aidé. Au lieu de me dire bravo ma chérie, machin, elle me dit que je ne fais que parler parce qu'elle m'a vu deux secondes parce que je me suis reposée. Je suis restée tranquille. J'ai dit que merde. Quand je suis montée, elle était énervée. Parce que d'abord, je ne suis pas venue pour vendre. Mais j'ai gardé le camp. J'ai dit, bon, tu es venue pour soutenir ta copine. Il n'y a pas de problème. Elle était venue s'excuser après.
Elle me dit, quoi, parce qu'elle a vu qu'elle m'avait contrarié. Parce que moi, je suis le genre de personne que, quand je suis énervée, tu vois, quand je suis, donc, c'est, je suis tac-tac. Moi, j'arrive pas à faire comme elle, j'arrive pas à être fausse. Quand je suis énervée, tu vois. Donc, elle a vu qu'elle m'avait contrarié. Après, comme je vous ai dit sur Snapchat, elle fait du chaud-froid. Elle te fait fort. Quand elle voit que tu es déjà mal, elle devient gentille. Et du coup, elle a commencé à être gentille. Ce genre de personne est dangereux. Non. Et maman, tu as travaillé aujourd'hui plus. Tu as vraiment travaillé. Je suis fière de toi. Merci beaucoup. Franchement, une copine. Mais dans ma tête, je me suis dit, bref, j'ai plié le doigt. On est aux États-Unis. La deuxième fois que je plie le doigt, je lui dis Tessora. Comme vous savez que je traîne avec ma copine Tessora, Tessora a les bons plans. Les bons plans de comment vous appelez ça? Les bons plans. On appelle ça comment? Les bons plans pour faire les voyages. Elle connaît nous faire les voyages. Donc, je suis tellement contente. Les gens étaient déjà à Miami. Je dis à Tessora que comme on est à Miami là, je sais que tu connais les bons plans. Est-ce que tu peux nous envoyer des trucs pour faire les activités et tout ça? Elle dit, il n'y a pas de souci, ma chérie. Tessora prend son temps. La petite fille là, je ne sais pas à quel âge. Elle ou c'est là 22 ou 23, c'est une petite fille même. Elle prend son temps, elle laisse son activité de perruque qu'elle vend. Elle laisse ses clientes. Elle passe sur les sites. Elle nous cherche les activités qu'on peut faire à Miami. Dès que j'ai montré à Belle Pichou, tu viens en plus, je suis contente. Je dis, tes soeurs nous ont trouvé. Dans la fille, elle me traitait quand même. Ne me parle pas de celle-là, Je n'aime pas, Sa copine, on était avec une de ses copines américaines là. Je la regarde comme ça, je dis pardon. Parce qu'en fait, quand elle a des réactions, ça te choque d'abord parce que tu te dis que qui? Je dis pardon. Elle me dit, je ne me parle pas de celle-là. Je n'aime pas. Je dis, tu n'aimes pas la petite fille-là. Elle t'a fait quoi? Non. Depuis votre histoire avec Ibrahim, là, son âme, moi, je n'ai pas supporté ça. Donc, ne me parle pas. Je dis, oui, mais déjà, le temps, je suis car, je suis taureau. Les taureaux, vous nous connaissez comment ça chauffe souvent dans nous quand quelqu'un te plante comme ça, là, 500 te lubrifier. Donc, mon gars, chauffé comme ça, vous. Je reste tranquille. Je dis, oui, mais je ne te permets pas de parler de Tessora comme ça. C'est vrai qu'on est venu te parler de nos problèmes, et puis même tu es notre grande soeur. C'est pas comme ça que tu dois réagir. Je te dis qu'elle nous a cherché des trucs. Non, moi-même, je vais chercher. Je sais comment on cherche des trucs ici. Donc, tu crois que je ne cherche pas. Le jour-là, j'ai digéré. Je vous ai dit qu'il y a d'autres trucs. C'est parce qu'il y a des choses que je ne veux pas parler. C'est parce que ça, c'est les voix qu'il va falloir que je sente. C'est les voix qu'il va falloir que je sorte. Quand elle était venue m'insulter, je vous ai sauté la partie là. Je vais juste vous amener à la partie de la crème où elle dit que je ne sentais, que ma crème ne sent pas bon. On est comme ça. Donc, déjà, elle m'a déjà sorti ça. Je peux aller en ligne. Pour Abidjan. Oui, Victorine, elle est en direct. Comme je vous dis, elle parle mal. Elle a promis. Hein. Quand vous la voyez, elle est en train de s'agiter là. C'est son vrai visage. Quand vous la voyez, elle est là. Maman, les vrais directs, c'est sur YouTube. Hein. C'est comme maman, fais même quoi sur Facebook. Ça, c'est son vrai elle. C'est-à-dire que son vrai visage est en train de se faire voir. Le king que vous voyez là, ce n'est pas elle. C'est elle surjoue. Pause publicitaire. C'est même vous qui me rappelez souvent que je dois faire la pause. Tellement je ne suis pas ici pour faire les pauses. Je suis ici pour... Il faut penser à l'argent. Fais comme ta copine Aïcha. Tu n'as pas vu Aïcha, maman? Tu introduis placement de produits. C'est Rubis 237. Pause publicitaire. Oh. Rubis 237. Utilisez mon code promo. Venez acheter les perruques. On continue. Le travail de ma grand-mère. Ouais, l'impact. Nous, l'impact. Le commerce, tu nous, vraiment, c'est pas. Maman, j'ai dit que mon combat avec toi, c'est la prière. Aïcha Kamwa va faire sa pause publicitaire. Vous allez attendre le socorro. Elle finit d'abord sa pause publicitaire, maman. Nous, on doit même nous supplier de faire la pause publicitaire. Hé, maman, le commerce, c'est quoi, oh, maman. Je t'ai dit ça. Hé. Moi, là, je vais t'anéantir par la prière. Maman, ça ne me rie pas. Le commerce, c'est d'un quoi, de ça. Je vais t'anéantir par la prière. Quand tu me vois avec le cabassi, il faut flipper. Le cabas que tu vois, ce n'est pas un petit cabas. Ma grand-mère est encore là. Son esprit est encore là. C'est encore là.
moi, quand j'ai dormi avec un citron, regardez, j'ai fait la vidéo sur TikTok. Tu dors avec le citron devient noir. Eric, allez vous abonner sur ma page de chaîne YouTube. Regardez la couleur du citron. Pardon, tu abonnez-vous. C'est là-bas où je vais faire mes vidéos de cuisine maintenant. Tous les week-ends, on aura droit à une vidéo de cuisine. Tous les week-ends, on aura droit à un nouveau plat. On dit que je suis pauvre. On dit que je n'avance pas. C'est parce que moi, je ne vois pas les marabouts. C'est parce que moi, je ne vois pas les marabouts. Tu n'avances pas, c'est elle qui paye ton loyer. Quand tu vois mon corps, quand tu te déshabilles, je me déshabille. Quand nous deux, nous sommes nus. S'il faille que j'aille vendre le piment, ma chérie, hein? Les hommes achètent. Et Eric, sa part ne dit pas la mauvaise rêve. Là où le rubis est là. Tant que le rubis n'a pas tout vomi, elle ne va pas laisser. Si je dis que je pangle. Surtout qu'elle a beaucoup pris sur elle. Je pangle ça proprement. Je suis bonne. Tu as compris, non? Si je décide de pangle le piment, je dis que je suis une fille bonne. Ce n'est pas pour rien que la majorité. Non, Sandrine, la noblesse, c'est qu'elle le rubis veut la faire sortir. Quand ils vont utiliser mon lit, on m'a envoyé la dernière fois une autre. La fille a dit, fais attention, j'ai dit, caca, c'est pas grave, je suis fatiguée. Si je décide de dire que je parle de piment, je suis bonne. Très bonne. Je dis, quand moi-même, je me regarde, je dis, ouais. Ah, Rachel, c'est vrai que les problèmes ne sont pas bien, mais tu ne sais pas aussi ce qu'elle a vécu. Hein. Tu sais, c'est pour ça qu'il ne faut pas souvent prendre. C'est pour ça que moi, je n'aime pas prendre sur moi. Intelligente comme moi. Parce que quand tu plans sur toi, tu plans sur toi, maman, le jour où tu craques, tu as seulement envie de finir avec le monde entier. C'est pour ça qu'il ne faut pas plonger sur toi. Croyez, avec mon fils derrière, pour aller acheter la marchandise chez les parents. Parce que les gens que vous voyez souvent qui sont calmes comme ça, tu commences à vouloir balancer. Moi, je n'ai pas. Les gens qui sont souvent calmes là, ils considèrent, oh non, elle est calme, elle ne parle jamais, elle ne parle pas. Ouf, il faut voir ce qu'elles font derrière. Mais il y a quelqu'un qui fait. Ceux qui font les cinq tenues touches là, c'est qu'elles te font derrière, maman. On arrive à l'aéroport. Alors, donnez-moi une bouteille d'eau là-bas. Non. Quand on est à Abidjan, désolé. Ce que je vais dire là, désolé. Quand on est à Abidjan, je fais comprendre à la fille que la crème qu'elle m'envoie, la crème là ne fait pas d'effet sur moi. La crème qu'elle m'envoie ne fait pas d'effet sur moi. Donc, moi, je ne vais pas mettre sa crème. Et puis, la crème là faisait que tu mets ton visage un blanc comme ça, on dirait que tu es Michael Jackson. Elle a commencé à me dire non, mets plus que ça. Je dis que ça, c'est le Johnson, non? Ça va me faire devenir clair. Elle dit non, c'est pour que ça t'éclaircisse un peu. J'ai dit non. Ma chérie, moi, je veux rester noire. On signale aussi sur YouTube là-bas. Si toi, tu me donnes une crème qui va faire en sorte que je garde ma peau ébelle, mais que ça donne de l'éclat, soit tu laisses. Elle voulait me mettre, elle a une crème, elle disait parce qu'elle était la trois machin. Il y a aussi ces machins, il y avait pour moi c'était marron. Elle me dit de mettre ça. Je mets la crème. Pour moi, ça, je ne vois pas le changement. Je m'en vais voir ma copine. Je lui dis, écoute, j'ai commencé la publicité de ces produits. J'aime les produits intimes, ça fonctionne. C'est pour ça que vous m'avez toujours vu mettre beaucoup plus les produits intimes en valeur. J'aime ces produits intimes. Je dis bien que les produits intimes, pour moi, quand je mets, ça nettoie, ça enlève tout ce que tu peux vouloir comme odeur. Moi, je n'ai pas de problème. En tout cas, je vous ai souvent dit que quand je suis avec mes partenaires sexuels, quand je suis avec un partenaire, aucun je sais déjà plein que... Aucun. Ça sert aussi le Jessica. Donc, je dis à ma copine que ta crème que tu me demandes de mettre là ne fonctionne pas. J'ai une femme qui m'a envoyé une crème qu'elle fabrique. Elle dit qu'elle mélange, elle ne m'a pas donné la formule de ce qu'elle fabrique. Mais quand je mets, ça me donne l'éclat de la peau. Moi, je mets la crème de la dame là, je lui montre la crème. On est à Abidjan, elle voit. Elle a une veine qui sort souvent ici, là, quand elle est énervée, parce que je sais détecter quand elle est énervée. Elle a une veine. Des fois, elle ne s'en rend pas compte, ça sort. Elle a une veine ici. Sa veine, là, si vous voyez les vidéos où elle a fait avec les tissus, il y a une veine qui sort. C'est quand son côté, là, sort. Sa veine, là, est sortie. Elle a vu que je ne mettais pas le produit qu'elle m'avait envoyé. Je lui ai dit que je ne mets pas la crème là. Donc, voilà ce que je mets. Mais, comme je suis ambassadrice de tes produits, je suis obligée. Si les gens me demandent
je vais leur dire que qui se dirige vers toi, comme ça, toi, tu sauras mieux les expliquer. Parce que c'est toi qui fais les mélanges de crème là-bas. Mais chez moi, ça ne marche pas. Mais ça peut m'arriver si des gens me posent des questions, je vais leur dire, mes anges, je vous demande pardon. C'était la première fois que je vous mentais sur un produit. Quand vous m'avez demandé les produits de ma peau, je n'utilisais pas son produit. J'utilisais le produit d'une dame. Et je lui ai expliqué ça. Au lieu qu'elle digère ça, au lieu qu'elle digère que c'est un truc comme ça. Ça me rappelle l'affaire des genoux. On a encore un avion comme ça. Ça me rappelle l'affaire de Gélule. Qui se rappelle? Donc, déjà, tu me fais parler de tes produits que je n'utilise pas sur les réseaux. Donc, je te parle de ma crème. Tu veux venir salir. Elle dit que la crème, là, sent mauvais. Tu lui dis que qui? La crème, si, sent mauvais, comment? Puisque quand j'étais à Abidjan, j'avais la crème, si. Il y avait Kevin Aubin. Il y avait Marcel Two Boys. Il y avait Ibrahim. Qui ont senti cette crème. Toi-même, tu as senti. Tout le monde qui était là. Pourquoi les gens là ne m'ont pas dit que la crème la sentait mauvais? Pourquoi il n'y a que toi, tes narines? J'ai dit, et puis même, mais toutes les personnes dans mon endroit, j'ai conseillé la crème à ma mère. Ma mère mettait la crème. Bon, elle a arrêté parce qu'elle avait fait une allergie. Donc, elle a arrêté. J'ai envoyé à Kabozu, elle a dit que la crème, elle a arrêté, elle ne voulait pas. J'ai envoyé, et on me dit de signaler qui BR, qu'est-ce que tu racontes là-bas? BR, écrit pour que je te signale. Voilà, alors, papa. Ok. Attends, je bloque. 24 heures, c'est bon, j'ai bloqué BR. Donc, pendant qu'on est en train d'attendre l'avion, elle me dit que la crème que je porte là, que ma crème que je mets là, elle ne sent pas bon. Comme on était avec une de ses copines qui parle anglais, elle dit que sa copine qui parle anglais aussi a dit ça. Je dis donc, je suis même ici, vous êtes en train de dire son nom comme ça en anglais, et je ris avec vous. Et puis, elle me dit que oui, que sa copine aussi pense ça. Je dis, ok. Je dis que la crème là ne sent pas mauvais. La crème que j'ai ici là ne sent pas mauvais parce que la femme qui fabrique, c'est son enfant de 2 ans, 2 mois, met ça. Sa fille qui vient d'accoucher met ça. Ma mère a mis la crème là. La crème là n'a pas d'odeur. Donc je ne comprends pas. Quand tu dis que la crème là sent mauvais, tu te bases sur quoi en fait? Et c'est là où je me suis rendu compte que elle ne voulait pas. C'est parce qu'elle avait la rage que je mette cette crème. Donc, elle voulait me détourner pour que je mette ses produits. C'est le maquillage qui me fait comme ça, maman. C'est parce que j'ai mis un maquillage qui vieillit. C'est le maquillage. Si j'enlevais mon maquillage, là, j'allais même être mieux. C'est le maquillage. J'ai mis un maquillage et mon fond était en train de tomber. J'étais tellement énervée. J'étais tellement déçue d'elle. J'ai dit que, ah bon, maman. C'est là où j'ai dit, ok, j'ai compris que... En fait, c'est comme ça, elle fait ses petites manipulations. Quand elle a vu que j'étais fâchée, parce que moi, je ne cache pas je cachais pas mes colères. Je suis partie, on a voyagé, je ne la calculais pas. Quelqu'un dont tu dis que sa crème ne sent pas bon, viens la voir à côté de moi. Bébé, regarde, je viens de voir. À moi-même, je me reculais que il ne faut pas que je t'étouffe avec l'odeur, parce que tu dis que ma crème sent mauvais, donc il ne faut pas que je t'étouffe avec l'odeur. Moi, je commençais à m'incliner comme ça. Eva, enlève le maquillage, s'il te plaît. Tu enlèves le maquillage. Ok. Vous connaissez, vous l'avez dit, ça. Discutez entre vous, j'arrive. Oui. Le maquillage, je suis même bien. Oui, je commence à comprendre, bel bijou. Hein. Tu as un problème de manque d'assurance. Tu as mis ton maquillage et c'est les internautes qui vont te faire te lever jusqu'à ce que tu peux aussi enlever. Tu enlèves quoi? Si tu n'aimes pas avec son maquillage, celui qui ne t'aime pas avec son maquillage, il part. Hey, Seigneur Jésus. Massa. Moi, on n'est pas ici pour vous vendre le rêve. On se présente, peu importe. On y va. Jusqu'à tu te lèves aussi, tu vas chercher les choses pour enlever ton maquillage, maman. Parce que quand tu fais même les mauvais gestes. Demain, ils vont te dire de faire quoi tu vas faire. C'est parti. Ah bah. Tu vois que j'ai même d'abord une belle peau.
Tu as vu le visage, non? Quand on enlève même au côté. C'est pour ça que l'autre a su, l'autre a su lui faire là, comme elle lui a fait là. Ici, ça me vieillit même. Parce que le maquillage est mal fait. Oui, mon amour, j'arrive. Mm-hmm. Et vous enlève le maquillage parce que c'est mon fou. Maman, le maquillage, ça fait ton visage comme Michael Jackson. Ouais, hein, Seigneur Jésus. C'est même quoi avec les fonds de teint. Moi, j'arrive à mettre le fond de teint. Hein. Sauf si vraiment, c'est vraiment. Quand vous dites que le maquillage, quand tu fais les mauvais gestes, oui, ça peut te vieillir. Je suis mieux sans maquillage. Mais c'est vrai. Tu es beaucoup mieux sans maquillage. Tu es plus belle sans maquillage. Voyez, maman, elle était là comme une grand-mère de. C'est même clean. Hein. Tu as vu, non? Voilà. C'est parce que tout à l'heure, je devais faire la publicité d'une perruque. Donc, j'ai mis le maquillage, je l'ai vite fait. Mais comme je suis restée longtemps avec, et j'ai fait les mauvais gestes. Mais pour faire la publicité d'une perruque, tu es obligée de mettre le maquillage. Tu peux pas faire ça sans maquillage. Ah bah. Vous croyez que. Il y en a qui n'assument pas de se mettre sans maquillage. Mais nous venons de Rubin Chinda. À mon stade, quelqu'un qui a commencé la comédie sans maquillage. Regarde-toi, tu m'étais. Hey, Seigneur Jésus. Attendez. J'ai commencé ma comédie ici, là. Regarde mon rouge quand même. Je dois aller faire les TikTok tout à l'heure. Regarde mon rouge. Maman, il y a une autre. Hein? Les Ivoiriens, maman, ils vous interpellent. Votre Emma Louès, là, on voit son problème. Elle est en train de disparaître. Continuons. Oui, elle est belle sans maquillage. Je dois aller travailler sur des perruques encore. Donc, comme la fille, elle a vu que je ne mettais pas ses produits intimes. Comme elle a vu que je ne mettais pas les produits. Enfin, pas les produits intimes. Comme elle a vu que je ne mettais pas les produits. Emma Lewis est en voie de disparition, maman. La crème que je mets sans mauvais. À moi, elle dit que c'est une crème qui sent mauvais. Quand elle va parler à Ibrahim Larson, elle va dire à Ibrahim Larson que je sens mauvais. Est-ce que vous vous rendez compte de la. Et elle sait que Ibrahim, c'est un ex-congosseur. Donc, si elle donne ce genre d'élément à Ibrahim, si un jour ça pète entre nous, Ibrahim peut venir lancer ça. Je sais pas si vous voyez un peu le côté vicieux et malsain de la personne. Vous croyez bon, que bon, bon il faut aussi voir qu'elle a passé une période un peu. Je n'ai pas vu des choses dans sa vie, mais je ne me permettrai jamais. En pleine réflexion de la séparation avec sa copine, où elle est entrée dans les prières, les jeûnes. Elle a un mauvais fond. C'est ça qui m'énerve, en fait. Elle a un mauvais fond. Elle dit des choses qui blessent. Et quand elle voit que tu es déjà blessé, elle vient pour venir caresser dans le sens. Erika Kali Douce. Hey. Merci. Emma Lewis, maman, elle vit la femme là, elle dit que c'est quoi ça? Pause publicitaire. Son nez, elle est là comme ça là. Hey. Maman. Yes! Elle est en voie de disparition, Emma Lewis. Les Ivoiriens, interrogez-vous. Aïcha Kamoise, Aïcha a dit qu'elle va me donner le secret que je dois vendre les produits. Tu veux vendre ça? Aïcha a dit que Rupi, ça fait depuis que Aïcha me demande de vendre les produits intimes. Rupi, Aïcha était venue me voir, elle m'a appelé, elle me dit que arrête d'être ambassadrice. Vends toi-même tes produits intimes. Ma loyauté, bon, voici, je viens, je dis non, je ne peux pas. Ah, tu parles d'Emma. J'ai dit, tu ne peux pas faire ça, mon ami. Alors que mon ami était capable de faire. Elle va dire à Ibrahim qu'elle ne peut pas porter mes habits parce que c'est la tuque. Parce que mes habits, c'est la tuque. Que mes habits, c'est la tuque. Ce que je pense, c'est la tuque. Je n'aime pas jamais un duc. Tu es méchante. Tu es bien méchante.
tu as même la chance parce que ça vous apprendra. Tu as la chance parce que je ne suis pas comme toi. Parce que toi, tu avais dévoilé les secrets de Lady Sona. Je ne sais même pas si c'était vrai. Parce que comme tu es d'abord, tu mens d'abord. Tu mens. Tu es parti, tu déclares les choses, tu t'attaques. Parce que là où tu vois la différence entre toi et moi, Ruby, quand j'étais connue, je parle. Parce que j'ai envie de dire là. Je parle. Béline, jamais je parle ou bien je ne parle pas. Moi, j'étais connue. Parce que c'est ce que j'ai envie de dire là. Si j'étais une fille méchante. Il y a des gens qui ne sont pas contents dans le direct. Hein. Ah, dis-moi. Mais à toc. Tu m'as connu. Et tourne en rond. Elle porte les airs. Elle dit que ma voix sera jolie. Pourtant, je viens sur. J'ai souvent donné mes amis. Les longs mes amis. Yeux. Elle portait, elle faisait. Les longs yeux et le tribalisme aussi, n'oubliez pas. Ah, elle a dit que ma voix c'est la jolie. Les longs yeux et le tribalisme. Elle était là avec Aïcha. Bien, bien. Excusez-moi, hein, mais c'est la vérité que moi je dis. Elle a dit que non. Non, c'est parce que. Les longs yeux et le tribalisme. Bon, je te rappelle. Je te rappelle. Ta soeur, non, vous appelez bébé. Ah, deux femmes, même, vous appelez bébé. C'est un bébé de vous quoi? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand la fille est venue ici. J'ai dit, celui qui est trop fâché, est-ce qu'elle ment alors? C'est la vérité. C'est les longs yeux, le tribalisme. Qu'on les met dans la tête. Si j'étais comme elle, j'entrais automatiquement dans son intimité. C'est-à-dire que je ne réfléchissais pas. Le tribalisme qu'on les met dans la tête. J'ai pris le peu d'amitié, donc le peu de trucs, donc le peu de moments qu'on a passé ensemble. J'espère que c'était vrai. J'espère que quand elle m'a dit bébé, même le confort quand je l'avais. Elle t'appelle d'abord bébé par rapport à quoi? Un bébé. Elle aime alors ça. Vous êtes un tigouin. Elle aime te demander en public si tu l'aimes. Le love story en public. Elle aime le love story en public. Pour voir les gens. Elle te coque sous ton nom. Vous l'appelez bébé. Et tu dois lui faire la déclaration d'amour en direct. Tu vas finir par nous dire ça ici. Maman. Mais elle va chercher mon eau et bois. Tu vas répondre devant les gens. Tu dis seulement je t'aime. Si tu dis que tu ne l'aimes pas, la sacrée. Diamant, on le laisse. Laisse la partie là. Tiens, elle ne me met pas. Dès qu'on raccrochait comme ça, tiens, mon nom était partout. J'ai appelé. J'étais sûr que vous allez interférer. On dévoile trop de choses. J'ai appelé beaucoup de personnes. J'ai appelé. C'est parce que c'est entre elle et Belle Bijou là. Si c'était entre elle et Aïcha, vous ne seriez pas en train de parler comme vous parlez. Non, mais pas la vérité. C'est ma vérité, toi, mais c'est la vérité. Il y a une règle que cette fille ne connaît pas. On dit que même à ta pire ennemie, il y a des mots qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est une règle. Que tout le monde doit cultiver dans quand tu es ami avec les gens. Mais elle ne connaît pas ça. Elle le connaît. Elle chie. Elle pète. Comme ça. Il y a des choses qu'on ne dit pas. J'avais la possibilité de venir ici, de balancer tout. Je n'ai pas balancé. Et tu vois la différence entre toi et les autres. Même Aïcha, quand tu penses qu'elle te déteste. Les choses qu'Aïcha me montre. Pardonnez-moi, c'est mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé de le partager. Les gens sont les. Comme elle dit, les lions et les lions. C'est mon point de vue, hein. Vous n'êtes pas obligé de le partager. Pardon, écoutons le direct. J'ai appelé Aïcha, j'ai dit Aïcha, pardon. Ne balance pas tout. Quand elle m'a envoyé la photo de ton mari, j'ai eu la chair de poule. J'ai appelé Aïcha direct. Elle m'a envoyé les documents de signature de ta maison, les machins de toutes les. J'ai dit Aïcha, pardon. Ça veut dire que malgré que nous sommes en guerre, malgré que nous avons des problèmes, je préserve encore cette petite loyauté-là. Mais toi, tu ne sais pas le faire. Et c'est pour ça que tu ne sors pas. Parce ouais, Solange Ngamile seulement. Et non, tu sortais. C'est parce que ça sort de ma bouche, non. Tu es sans scrupule. Tu n'as pas le sens de l'amitié. Tu n'as pas le sens de l'amitié. Tu ne sais pas qu'il y a des choses qu'on ne fait pas.
problème. Après, moi, il demanderait même à Aïcha de laisser la faire ici. Comme je t'ai dit. Parce que si Aïcha continue à charger la faire ici, là, c'est pour ça qu'elle vous déteste. Ça demain que c'est elle qui influence Ruby. Je ne te parle pas. Entre temps, pour si tu as dit que j'ai insulté Coco Emilia, alors que je n'ai jamais insulté Coco Emilia, ben c'est normal que je vais te dire. Aïcha, tu peux laisser la faire ici. Mais ça va devenir ton affaire. Disons-nous tout. Elle m'a dit que tu as dit que elle, tu voulais qu'elle a tué sa mère, que vous lui avez fait la misère. Mais c'est après que j'ai appris que c'est parce que vous avez refusé de faire la publicité de ses produits intimes. Apparemment, vous avez refusé de faire la publicité parce que à l'époque, vous ne connaissez pas bien les ingrédients et en plus, ça partait dans l'intimité parce qu'il faut quand même le dire, ces produits vont dans les parties intimes. Et moi, honnêtement, quelqu'un qui refuse de faire ma publicité, je ne vais pas t'en vouloir. Les gens ont le droit de ne pas vouloir faire ta publicité. Parce que on parle quand même d'une intimité. Tu ne peux pas forcer les gens à dire que mettez mes produits dans les fesses. On parle quand même des fesses gras. Et c'est ça. Moi, c'est ce qu'elle m'a vendu. Elle m'a dit que vous avez dit que... Quand elle m'a dit ça, j'ai dit que c'est méchant. Oui, oui. J'ai dit que c'était méchant. D'abord, j'ai dit ça. J'ai dit que c'est méchant parce que... Comment vous alors, venez, j'aimais, laisse-moi, hein. Dans ma bouche que tu as venu prendre. J'avais ton macabre. C'est pas dans ma bouche que vous allez prendre. Après les autres que tu as cité. Oubliez ça, oubliez. Donc c'est les filles là. Pas comme si elle rien dit. Avec qui j'ai collaboré, c'est Maria. Elle rien dit, hein, pardon. C'est deux Ivoiriennes. Elles vendaient les produits. C'est la jalousie, c'est la cupidité. Et quoi, vous avez dit quoi? La cupidité, l'envie et François. L'autre partie là, oubliez. C'est pas parce que je marche avec ton ennemi. Que je suis ton ennemi. Le problème, c'est que quand vous avez fait vos problèmes là-bas, tu m'as mis dedans et tu m'as bloqué, tu m'as supprimé. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il y a d'autres dossiers? Alors que. Il y a plein d'autres dossiers, Caridou. Tu m'as bien vendu aussi ton nom. Hein. Parce que je ne sais pas si toi-même tu es simple. Parce que le jour que toi et moi on s'est parlé, où tu es parti, j'ai appelé que tu m'as envoyé les messages, je n'ai pas répondu. C'est là où j'étais, quand je t'ai eu au téléphone, j'ai dit, mais tu ne m'as jamais envoyé le message, parce que quand j'ai regardé l'historique de mon Instagram, j'ai tapé ton nom. J'ai dit, non, cette fille ne m'a jamais envoyé le message. Mais Belle m'avait fait comprendre que tu disais que tu m'avais envoyé le message et je te snobais. Aïe. Reprochez-moi tout, je ne snob pas les gens. Reprochez-moi tout. Si je peux te répondre, je te réponds. Si je ne peux pas te répondre, je ne te réponds pas. Ça, c'est vrai, tu ne snob pas les gens. En fait, que... Je n'avais pas ton mal. Alors, je t'ai vu au meet and greet de Nathalie Nkoa. Ce côté-là est vrai. Tu ne snobes pas les gens. La personne qui snobe les gens, là, c'est l'autre, là. Qu'on appelle Marc et Pont. Hey! Maman, elle snobe les gens, hein. Hey! Toi, Poupi, Aïcha Kamoise, vous ne snobez pas les gens. Ça, c'est vrai. Mais celle que j'avais le problème, là, c'était Tata Pont. Oui, Tata Pauline. Parce que toi, tu avais pris ma photo un jour. Je ne condamne pas la ronde, je cherche juste... Parce que tu as dit que je descends Coco Emilia. À cerner le vice. Je n'ai jamais manqué de respect ici sur les réseaux sociaux à Coco Emilia. Alors que elle l'a fait publiquement. Même après son mariage, j'avais tous les armes okay. Pour descendre la fille. Je ne l'ai jamais fait. Quand même que son mari était allé la saboter, enfin... Si Aïcha continue à charger ça, toi tu vas voir la tournée que ça va prendre. Donc mieux Aïcha laisse. Je faisais partie de celles qui bloquaient en privé que ne nous faites pas sortir ces voix. Laissez les voix là en privé. C'est moi qui disais Si Aïcha continue à charger l'affaire là, vous allez voir la tournée que ça va prendre. On va dire que c'est Aïcha qui l'a. À propos de quelqu'un, vous nous mélangez nous tout dedans. Tu dis que non. Qui l'instrumentalise. Je n'ai jamais... Mes vidéos sont sur les réseaux sociaux. Faites même mes recherches quand vous faites le Japon. Je n'ai jamais manqué le respect à cette fille. C'est pas question que la scène... Parce que oui, mais il y a snobé, snobé. Moi, je vous ai dit mon problème. Snobé en méprisant les gens, non. Et quand j'ai détecté que j'étais impulsive, contrairement à plein de personnes, j'ai décidé de travailler sur mon impulsivité. Et c'est pour ça que vous ne me voyez pas péter les plombs. Que je vous dis que celle-là me parlait mal. Vous dites que j'étais toutou. Ce n'est pas toutou. C'est parce que je travaillais sur mon self-control. Fais attention. Moi, je suis impulsive. Dans mon entourage, c'est bête.
Mais je me suis rendu compte quand j'étais bébé, je me cache avec lui. Oui, ma sœur, j'ai dit la même chose aussi à Dimond. Parce que si elle continue à parler de cette histoire, après c'est elle et l'autre ne sort pas, c'est elle qui va devenir ridicule. Elle est sortie, elle a fait son mien, elle ne pas. Elle a dit ce qu'elle avait sur le cœur. Si moi je suis à sa place, elle ne parle plus de cette histoire. Sauf si l'autre ressort. Elle a combien de directs là depuis? J'apprends le simple concours, je dois mettre ça en pratique. Elle a combien de directs depuis? C'est alors pour ça que je vous dis que parfois, je préfère quelqu'un qui ne prend pas sur soi. Qui, quand ça ne va pas, tu tapes sec, tu passes à autre chose. Que quelqu'un qui prend sur toi, tu prends sur toi. Parce que ce qu'elle nous dit en train de faire là, c'est quand tu as trop pris sur toi. Elle n'était pas prête. Alors que ce n'est pas sa nature. Mais elle était dans l'obligation de le faire. Parce qu'il faut protéger une amitié. Parce qu'elle a peur des yeux des gens. Parce qu'elle a aussi beaucoup snobé les gens avec cette amitié là. Donc, quand les choses n'allaient pas, c'est comme une femme qui est dans un mariage où tu nagues les gens. Oh, moi, je suis mariée, mon mari, ma terre, ma reine. Même quand ça ne va pas à l'intérieur, tu es obligé de supporter certaines choses. Le jour où ça rame, mon frère, la carte que tu as versée dehors. Hey. On m'a dit qu'elle qui est. Ici à Paris, que je venais me battre avec elle. Parce qu'elle m'a insultée. On m'a dit qu'elle qui est. C'est pour ça que moi, quand quelqu'un a sa chose, que ça dit que tu es. Mieux tu verses, tu quittes ça. Aïcha, oui, mais elle a déjà réglé aussi, c'est bon. Quand tu as le compte à régler, mieux tu viens, tu fais un coup, boum, boum. Et puis tu rentres à l'intérieur. On est parti à Paris. Mais si ça devient trop, ouh, tous les, elle vient tous les jours faire les lives. Elle a combien de lives là? Je pense qu'aujourd'hui, dans la journée, elle a fait un live. Elle a combien de lives? Alors que l'autre ne sort pas. L'autre lance seulement les pieds. Elle n'a pas payé Alice. Elle n'a pas payé ma cousine. Moi, je suis sa copine, donc je n'attends rien. J'ai dit, on va venir t'aider. J'ai porté ma famille, les mamies derrière la voiture. Parce qu'elle sait tout ce qu'elle te fait. Moi, je ne sais pas, parce qu'elle trouve ça ridicule. Entre amis, on doit s'entraider. J'ai porté ma famille, tata Néné, qui est ma tante. Qui est, quand on dit tata, là, c'est comme ma mère. Je porte une grande femme comme ma tante. Pourquoi on a eu la dame répond en vidéo, mais en pic. Tu vois, non, elle envoie les pics. Déjà, quand on nourrit le serpent, déjà, ne fait jamais confiance aux gens qui sont quoi, jalouses, machin. Tu vois, ça, ce n'est pas répondre. Ça, on ne peut pas considérer qu'elle a fait une vidéo à Ruby. Parce qu'elle peut te dire demain que ce n'est pas d'elle qu'elle parlait. Je dois éviter mes amis, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas. Demain, elle peut vous dire qu'elle peut justifier ça par A plus B, que ce n'est pas d'elle qu'elle parlait. Elle me dit, invite tes amis. Je dis, d'accord. J'invite Royce et Coco. Ils sont venus à son événement. À un moment, Royce dit qu'il va dehors pour prendre un peu d'air. Hein, Roland de Beauce, tu comprends, non? Je décide aussi de les suivre. On a ri un peu pendant qu'elle était en train de remettre les diplômes. Mais nous, on parlait dehors. À un moment, même, elle a dit, hé, calmez-vous, on parle ici. On s'est calmé. L'événement fini, il est minuit. J'ai oublié de réserver une chambre. Exactement. J'ai oublié de réserver parce que la journée était tellement. On montait, on descendait les bouchons de Paris. Oui, mais sauf qu'à un moment, les gens vont se lasser. Et on va trouver qu'elle, elle en fait trop. Tu connais comment ça marche, non? Qu'elle était au courant. Que je venais de lui dire. La posture a changé aujourd'hui, ce n'était pas ça. Voilà. Donc physiquement, le problème c'est qu'à un moment donné, les gens vont se lasser et elle va passer pour celle qui en fait trop. Physiquement, je n'étais pas bien. Elle le sait. Mais je fais des tournées. Quand j'arrive à l'événement, parce que j'ai ri deux minutes, alors que pendant tout l'événement, ce qui était venu, je servais, je riais avec tout le monde, je mettais l'ambiance, je parlais à tout le monde, j'ai dansé. Elle a même posté les vidéos sur sa page. J'ai dansé comme ça pour que tout le... pour mettre l'ambiance, non. Quand l'événement finit, je ne sais pas là où ma tante va dormir. On est dans la voiture. En même temps, si elle est saisie qu'elle fait ça, peut-être ça va la pousser. Parce qu'elle-même, Ruby a envie que l'autre sorte. Je lui dis, bon, elle me dit... pour qu'ils font bien, pour que le sale... comme ça, ils vont bien faire du sale. J'ai dit non, t'inquiète, on va se débrouiller. Donc, quand je dis qu'on va se débrouiller là, c'est parce que je ne veux pas imposer ma famille. Parce que je ne veux pas qu'on dort. Parce qu'en plus, il y avait trop de gens là dans l'appartement meublé qu'elle avait pris à Paris. J'ai dit non, t'inquiète, on va se débrouiller. Mais je n'avais pas d'hôtel. Quand je veux sortir, elle me dit bébé, je vais te parler. J'ai dit oui, je t'écoute.
Je ne suis pas contente de ton attitude. Mais la carte quand vous appelez bébé, là, c'est ça que moi ne comprends pas. Hein. Hey. Non, la partie, c'est... Elle te caresse d'abord avec la vaseline, la voix fait tout. Et c'est quoi que deux femmes s'appellent bébé? C'est quoi? Oh bébé. J'ai encore fait quoi? Tout à l'heure, quand je remettais les diplômes, la veine est sortie, j'ai vu. J'ai dit que oh, la vue, c'est pas me plaisir encore. Tout à l'heure, quand on est sorti, quand j'étais en train de remettre les diplômes à mes élèves, tu étais dehors avec tes amis. Je n'ai pas apprécié ça. Maman. J'ai dit, et comment tu n'as pas apprécié? Maman. Oui, mon amour, j'arrive. Parce qu'à un moment, tu riais même. Oui, comment j'arrive? Et tu as même ri. J'ai dit, j'ai ri parce que les Roy et ses cocos étaient en train de fumer dehors et ils ont ri. Donc, du coup, je riais avec eux. Elle me dit que, non, moi, je n'ai pas aimé. J'aurais voulu que quand je remets les diplômes, tu sois derrière moi, à côté de moi. Okay. Je dis que mais ce n'est pas mon école, c'est ton académie. J'ai déjà tellement fait toute la journée. Naya, mes autres amis sont là. Laisse-moi même aller parler avec. Reproche-moi même qu'on a, on a, pas, on a rigolé. On a petit nom d'amitié, avec tous les petits noms d'amitié qu'il y a, ces bébés qu'ils ont choisi. Toi, tu remets les diplômes. Ah bah. Je dois venir, Naya. Ils étaient en couple, ma. C'était un couple. Hey, wonderful. Tu me demandes déjà. Ils étaient que le couple, ma. Le bébé. Bébé, je suis super contente, comme une amoureuse. Parce que. Seigneur. Tu souvent que la personne part. Tu lui dis. Bébé, sur nous maintenant. On est tous fatigués. Je ne sais même pas là où ma tante va dormir. Là où ma cousine va dormir. Là où ma soeur va dormir. Bah, ma belle-soeur. On est ici. On a Yanoua, tu viens m'étouffer que tu me fais des remarques. Je suis ton enfant. Eh oui. Je suis ton enfant. Là, 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 laisse-moi quand même d'abord rentrer, dormir. On a tous passé une journée fatigante avec les talons. Et mais tu es son bébé, elle n'est pas contente. Hein? Comment tu es son bébé? Elle est en train de remettre les diplômes. Toi, tu es dehors en train de rire. Alors que tu devais être à côté d'elle. Oh putain. Franchement, non. Elle me dit. C'est comme ça que tu prends ça. Comment? Je regrette d'être venue. Ah, franchement, quoi. La maison. C'est pas gentil, elle a raison. Au tata néné, dans la voiture, je n'ai pas peur. Il était 3 heures du matin. Je conduisais en dormant. 3 heures du matin, j'ai fait Rouen, Paris. On est arrivé ici à 6 heures. Je conduisais en dormant. Tellement j'étais fatiguée. Donc vous êtes rentré en voiture. Tellement j'étais fatiguée, j'étais à son événement. Maman, dans même l'hôtel, la milliardaire ne vous a pas pris. Hey! Quand je rentre, imaginez qui va demander pardon. C'est toi. Imaginez. Toi. Qui va demander pardon. Eh ben, toi. Mouton. Tu étais une femme amoureuse. Je dis que, j'ai peut-être mal fait. J'ai dit, écoute. Désolée hier, si je t'ai parlé et que j'étais fâchée, je demande pardon. Mouton bébé, bébé, moi, je suis allée demander pardon. Tu te sens non? Je suis de la série, la reine est sans. Je vais chuter. Et maman, elle se lance Ben. Quand je finis de demander pardon, quand je finis de demander pardon, comme je vous dis là. Pourquoi quand t'as dit? Je fais la vidéo ici sur YouTube. Hey, milliardaire Monopoly. Je parle de son événement. Dit que c'est le buzz. Dans l'événement, j'ai dit que les beignets sont finis. Mais sinon, donc je raconte comment on a galéré. On est parti à Château d'Eau. On a pas trouvé là où faire à manger parce que ce jour-là, il fallait trouver là où faire à manger. Comme elle avait donné la tâche à Tata Néné de faire certains plats. Et franchement, c'était gentil de sa part. Donc, du coup, je dis, on va chercher. Donc, je commence à raconter, je vous ai fait la story time ici. Si vous avez remarqué, la story time a disparu. Je finis de faire la story time. Pendant que je fais la story time, elle rit. Elle fait les snaps, elle poste.
Elle dit, bébé, tu es trop drôle. Oh là là, tu m'as fait trop rire. Ah non, toi, la femme sienne, tu es trop marrante. Ah non, ta story d'elle était chic. J'ai aimé. Comme je vous dis là. Elle a posté la story d'elle ce jour-là. Je dors. Je me réveille. Je dis que je dors. Je me réveille. Je trouve qu'elle m'a envoyé 4 boys ou c'est 5 boys. En train de m'insulter. Tu es parti faire la story time. Je me remets d'abord, je dis j'ai fait une story time dans le sommeil parce que la dernière story time que j'ai fait c'était pour son événement. Et si j'ai pour mémoire, elle a posté, elle a partagé. Je dis que le bébé de ça, moi-même, l'affaire du bébé là, c'est ça qui m'a dépassé là. Surtout la histoire là, c'est la partie de bébé là que je ne comprends pas. Est-ce que moi j'ai parlé de bébé? Ils doivent même expliquer la partie de bébé là. Donc tu as fait ton anniversaire. Oh, c'était un sale. Non, Aïcha n'a même pas baissé en tant que tel. Mes voix là, elles sont ici. J'étais comme ça, j'écoutais les voix là, j'attrapais mes fils comme ça. J'attrape. Je tremblais. Quand elle a fini, j'ai fini d'écouter les voix. J'ai pris le truc. J'ai dit espèce de con. J'envoie. J'ai dit, oui, je supprime. C'est ce que le yoga demande. Le yoga dit que respire. J'ai commencé à aspirer. Maman, tu as pris sur toi. Aspirer. J'ai fait le yoga. Maman, il y a plein de couples toxiques ici dehors, hein. Ruby sort de loin, elle-même sa part c'était un couple toxique. Ma cousine a dit c'était encore là. Je pense qu'il n'y a que les hommes qui sont les pervers narcissiques. Aïcha nous a donné le demi-japap, dis donc. Tellement je suis mouton bébé. Hey. J'appelle sa copine, son assistante Claire. Parce qu'elle m'a demandé de m'envoyer le truc, elle veut faire le virement. J'ai dit, je ne veux pas faire le virement. J'ai dit, je ne veux pas que vous me passiez le virement, je ne veux plus. Je ne veux plus votre argent, partez, le manque de respect, les trucs. Parce qu'il y avait déjà deux trucs. D'abord, la veille, je vous ai dit que c'était quelques jours. Hein, le truc était, le truc de l'événement, le machin. Je dis que je ne veux plus votre argent, partez, qu'elle parte. Je ne veux même plus qu'elle me paye, je ne veux plus rien. Clani, c'est quoi? Son assistante insiste, elle dit que laisse-moi te payer. Elle insiste que je dois te payer. J'ai dit que je ne veux pas. Son assistante me dit que pourquoi elle refuse que tu me. Pourquoi tu refuses l'argent? Parce qu'elle ne m'a pas expliqué ce qui se passe. C'est son assistante ou non? Je décide de me confier à son assistante. Ce n'est pas les raisons. C'est son assistante. Je me confie. Je dis que non. On s'est pris la tête. Enfin, elle est venue m'insulter. Et je n'ai pas répondu. Honnêtement, ce n'est pas la première fois qu'elle me parle mal et j'en peux plus. Donc, mieux, vous laissez votre collard ou machin là, je ne veux plus. Je parle avec l'assistante. L'assistante me dit que. Mais en fait, elle me dit que non, je te comprends. Elle fait comme si elle avait moi. Donc, elle fait comme si elle avait moi. On parle même, on fait même un petit congossa vite fait sur elle. Un peu, c'était pas beaucoup. Le congossa même qu'on avait fait, c'était quoi? On a fait un petit congossa vite fait, non? C'était petit, c'était pas beaucoup. On finit de faire le petit congossa. Oui, maman, elle travaille demain. Moi, je suis assise au Japon. Je suis comme ça connectée. Parce qu'elle fait souvent quand elle finit de t'insulter comme ça, elle te bloque. Elle t'insulte, après elle te bloque, c'est ça, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Pour que tu ne puisses pas répondre. Après, je l'appelle. Non, je suis comme ça, j'étais partie à 120. Elle m'appelle. C'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi? Pourquoi tu peux raconter mes problèmes à tout le monde? Je dis que j'ai raconté à qui? À pas clair. J'ai raconté à qui? Bon, j'ai un peu signalé à ma cousine que, parce qu'on ne sait pas, mais à pas eux, j'ai raconté à qui? Je n'ai même pas fait de direct. Non, je n'aime pas ça. Pourquoi? Dès qu'on a des problèmes. Alors qu'elle-même, quand on a fait pas, elle m'a raconté. Mais voir comme ça que l'angassi, il y a un vrai verre. Elle considère vraiment Ruby comme Sanga. Hein? Elle faisait à d'autres personnes. Mais dès qu'elle a su que je ne sais pas parler à part Claire, et que j'ai dit que je. Et j'ai même dit quoi? J'ai dit que je ne veux pas qu'il me paye.
parce qu'elle m'a insulté. Comme j'ai dit qu'elle est venue m'insulter, elle n'a pas aimé. Elle a commencé à me crier dessus. C'est là où je lui ai dit stop, stop, stop. Comme ça, comme je vous parle, j'ai dit stop, stop, stop. J'ai commencé à pleurer. Hey. Je pleure. Je pleure. Je dis, c'est quoi, belle? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es aussi impulsive? Moi-même, je suis impulsive. Qu'est-ce qui t'arrive? Calme un peu tes nerfs. Ça ne fait même pas 2 semaines qu'on a eu le problème, là. À ton événement, je suis venue me... Machin, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si elle a fait semblant. C'était comme dans le film. Elle aussi, elle a commencé à pleurer. Elle dit, je suis désolée. Vraiment, tout ce que je t'ai dit. Elle me dit, tu as écouté les voix? J'ai dit, j'ai écouté. J'ai voulu te répondre, mais je me suis calmée. Après, elle dit, je suis désolée, elle s'excuse. J'ai pleuré le jour-là. Et c'est là où j'ai dit, écoute. Ha. J'ai l'impression que maman, elle dit que l'amour, c'est nous. En plus, il s'appelle bébé. Je prends le cœur, je mets. Je dis, ah, j'ai l'impression que tu ne me connais pas. Et je trouve ça dommage. Comme on ne passe pas beaucoup de temps ensemble. Mon anniversaire, c'est bientôt. Je veux venir aux États-Unis. Je m'offre comme cadeau d'anniversaire okay. aux États-Unis. Comme ça, on va apprendre à mieux se connaître. Peut-être pendant une semaine, parce qu'on n'avait jamais eu le temps de se voir pendant une semaine. Alors, quand tu ne voulais plus la collaboration, maman? On peut passer plus de temps ensemble. Histoire d'apprendre, parce que j'avais l'impression... J'ai dit, mais c'est moi qui dis aussi que... Comme... Ces disputes, on les fait, c'est parce que on se manque. Hein? Je dis, c'est parce qu'on se... Je pensais où? Moi, c'est toujours mes histoires de love story, là. Je dis, comme on se manque... Elle m'appelait bébé. Moi, elle voyait qu'elle était sincère. Je dis, comme on se manque, je veux boire 9 heures de vol pour qu'on apprenne à se connaître. Elle me dit, d'accord. C'est qu'elle m'a servi là-bas. Non? Elle m'a servi mon copain. C'est qu'elle m'a servi là-bas. Non, bah, j'étais souvent dans ma chambre de tête, je disais, coq, ce que tu as battu, ce que toi, tu as pris, je disais, c'est qu'elle m'a servi là-bas. Elle dit, ok. Ah, maman, ça, c'est une histoire d'amour, hein. Balance à vous, moi-même, l'affaire, si elle me dépasse. Pourquoi elle dit que je rembourse? Elle est ma bébé et elle, on se manque. Jésus. C'est ça, vous entendez? Rembourse. Arrêtez de signer mon live. C'est quoi, vous? C'est l'argent qu'elle m'a versé pendant le temps. Je sens que c'était sentimental. C'est ça qu'elle veut que je rembourse. Elle s'est découvert, c'est maman. Ça que je lui dois. Qu'on se manque. J'ai dit que Carla Tati Johnson est dépassée. Entre temps, il s'appelle elle bébé. Bébé, je n'étais pas contente. Quand je remettais les diplômes, tu n'étais pas à côté de moi, bébé. Hey! Oh, oh, maman. Nous, quoi, c'est nous le Japap, mamisa. J'ai commencé ta pub au moment où, comme tu as dit, les tatas ne te géraient pas. J'ai fait ta pub et tu veux que je te rembourse. Mais entre nous deux, c'est toi qui me dois. Et c'est pour ça que je t'ai dit que c'est toi qui me dois. Et tu vois, j'ai dit ça. Je ne suis même pas encore bien sortie. Ok. On m'a envoyé des vidéos que tu fais. Tu dis que tu fais les snaps, tu as acheté comme ça. Je sais que tu as mal. Je sais que tu as mal. Je te connais comme ma pomme de main. Aïe. Mais les gens qui. T'as pas de bourreau sanguin, né. On devient beaucoup plus conservatrice. Tu as compris ou pas? Voilà, c'est ce que le self-control apprend. Le self-control, et tu sais, on a une bouche et deux oreilles. Ma pique bille, où c'est pique bille? Ah, il semble que tu n'as pas de brossant bien né. Moi, je sais où elle trouve. Ce que j'ai appris dans le self-control, c'est que... Ah, chacun sa brossant bien. Et c'est ce que de temps en temps je fais. Je t'ai observé, je connais quand tu n'es pas bien. Et tu n'es pas bien. Les agitations qu'on m'envoie là, que tu fais là. Calme-toi. Je t'ai dit que si tu avais une maturité, tu venais même t'excuser, on le laissait. Pas la terre. Chacun prend sa route. Si tu étais mature, tu venais même t'excuser. Mais comme tu es hautain, tu penses que tout le monde t'en veut, tout le monde est jalouse. Personne n'est jalouse. Eh oui. Personne. Les gens qui participent à ton élévation ne peuvent pas être jalouses de toi. Ah oui, ça a de la noblesse.
Et qu'elle arrête aussi de faire les vidéos bêtes. Parce que plus elle a fait les vidéos, la plus Rubi va venir lui répondre. Parce qu'il y a beaucoup à qui tu as frappé à la porte qui t'ont dit non. Beaucoup t'ont dit non. Quand tu avais besoin qu'on fasse la publicité de tes produits, comme nous, moi, Yvonne, j'ai dit oui. Tu peux traiter tout le monde de jalouse, pas Yvonne. Belle Bijou, je te dis que tu peux traiter tout le monde de jalouse, pas Yvonne. Parce que quand les gens ne faisaient pas ta publicité, j'ai fait ta publicité. Quand je ne mettais pas tes produits intimes, j'ai menti à ma communauté. Tu as compris? Je les ai menti. Alors que c'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Tu le sais, que je n'entre pas dans le mensonge. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on était en direct, que tu me demandais quel produit tu aimes chez Belle Secret, j'ai toujours dit c'est les produits intimes. Et c'est toujours ça que je mettais en avant. Parce que c'était ça que j'aimais. Et c'est ça que je mettais. Ah, ça? Il faut, tu hein? Je ne peux pas dire que j'étais jalouse. Parce que moi, Rubik, là où elle est là, elle n'est pas prête à la. Elle n'est pas prête à. Elle n'est pas sortie, hein? Arrête de croire que tout le monde te jalouse. Personne ne te jalouse. Les gens sont fiers. C'est toi qui fais en sorte que les gens te jalousent parce que tu dis qu'on te jalouse et au final, les gens finissent par dire comme OK. Sinon, personne ne te jalouse. En tout cas, pas moi. Je ne te jalouse pas. J'ai toujours aimé. C'est moi qui te disais que mets les perruques blondes. Parce que le blond te va. Ça sort ton éclat. Je te disais que quand tu fais ça, mets ça. C'est moi-même, je me rappelle un jour, j'étais venue te dire, mets les habits. Mets, je ne sais pas, te donner des conseils sur certaines choses pour que ça te mette en avant. Bon, tu faisais aussi semblant parce que tu aimes bien faire semblant. Que non, je ne veux pas... Je ne veux pas mettre les choses que j'achète parce que... Ah, et puis moi aussi, je te disais, mais... Il y a plein de moments, j'aimais bien des trucs que tu faisais. Je venais toujours, j'étais devant comme si j'étais tellement... Et je te jure sur la vie, j'étais tellement fière de toi. J'étais tellement fière de toi, meuf. J'aimais te voir. J'aimais te voir quand tu étais sur scène. Tu avais ce truc-là, j'adorais ça. Ah, y a l'amour. C'était pas de la jalousie. Et quand tu vois une petite sœur qui essaye de faire la même chose que toi, ce n'est pas qu'elle te copie, c'est qu'elle te prend pour exemple. Exactement. Tu entends quoi? Tu la prenais pour un modèle, en fait. Au lieu de me voir comme une rivale, il fallait me voir comme une petite sœur qui te prend pour exemple. Toi-même, tu es la première à dire que tu es le mentor des gens. Tu pouvais dire que je suis... Tu es mon mentor. Ça te coûtait quoi de dire que tu es mon mentor? Vraiment. Moi, ça ne me dérange pas. Tu sais que moi, je me rabaissais toujours. Non, mais elle ne voulait pas que tu... Elle ne voulait pas être ton mentor. Parce que si elle te forme... En même temps, elle a encore porté son sac. Tu allais prendre plus de points. Si demain, je devenais quelqu'un... Et tu connais ma reconnaissance. Tu sais à quel point je suis reconnaissante. Tu sais à quel point je ne cache pas la lumière du soleil. Et je t'ai toujours vanté ici. Maman, l'autre là aussi m'a dépassé. Même jusqu'à présent, je continue à fermer les portes pour pas que les gens sortent. Parce que je garde encore le petit peu de truc là. Mais on a béfoulou. On ne peut même pas béfoulou. On ne m'a pas invité. On invite. C'est invite. Ils font notre opposé. Je ne sais pas. Tu dois faire l'effort de faire quelque chose. Ton cœur est noir. Ce n'est pas gentil. Elle se voit même. Noir comme malgré sa peau claire. Quand elle parle, même ça se liche. Comme je t'avais dit dans les vidéos, il fallait frotter sur le cerveau. Il faut aussi que tu frottes un peu sur le cœur. Prends ton jansan là, tu frottes comme ça de temps en temps. Pour que ça éclaire. Donc, pour que ton cœur soit un peu clair. Parce que tu fais des choses qui ne se font pas. Parce qu'il y a des choses même à la pire économie, on ne fait pas. Je n'ai jamais traité une copine comme ça sur les réseaux sociaux. C'est parce que tu as été très loin. Tu as été très loin. Il y a des points de non-retour. On ne touche pas aux enfants. Tu as touché à mon fils. Ouais. Je n'ai pas touché à tes enfants. Je les ai respectés. Et je les respecte toujours. Tu as voulu toucher à mon business. Qui sait même tu l'as touché. Et il y a des points de non-retour. Il y a des balles qu'on n'envoie pas, même en guerre. C'est vrai. Des balles qu'on n'envoie pas, même en guerre. Hey. Et toi, tu as envoyé des balles très lourdes. En temps de guerre, ce n'est pas bon. C'est trop méchant. Mais lui a touché, hein? Je garde tes secrets. Je les garde encore. Je t'ai dit que je suis avec toi dans les prières. Si tu es intelligente, n'amène pas mon nom chez le marabout.
je le dis à mon Dieu vision, je ne sais pas combien nous sommes ici. Si tu es intelligent, ne tente pas d'amener mon nom chez le marabout parce que tu vas payer. Parce que tu vas payer si tu tentes d'amener mon nom chez un marabout. Je te préviens, je ne vais pas te traiter chez les marabouts, je ne connais pas. Mais je vais te traiter dans... Tu as vu que depuis là, j'ai ça. Regarde, moi je te dévoile mes prières et te dévoile. Voilà ce que je récite. Et m'assois 4 heures du matin. Même ce matin, 4 heures était debout pour toi. Eh ouais. Saint curé d'âme, modèle de tous les prêtres, vous qui avez toute votre vie combattu les puissances des ténèbres, aidez-moi à lutter contre les forces du mal et à sortir victorieuse de ce combat par une foi profonde qui engage toute ma vie au service. Allez, me signaler. Ah. Au Saint-Esprit, avocat des causes urgentes. Je vous dis que je suis avec elle. Comme voilà mes prières. J'ai le matin. Ah. Je suis comme ça, 4 heures du matin. Me signaler pourquoi? Je vais vous montrer. Je combats la fille là-bas les prières. Je mets d'abord le combat de ma grand-mère. Je suis comme ça. Au Saint-Esprit, avocat des causes urgentes, venez proprement à mon secours, augmentez ma foi et mon expérience. Et sur ce, ma prière, je dépose. Au Saint-Clotilde, qui au milieu des épreuves de cette vie, la mamie noire de ma foufou, convertit votre époux et guérit votre fils mourant. Donnez-moi, donnez la paix au foyer désuni parce que tu nous as maudits. Consolez les mères affligées, je suis mère célibataire. Et sur ce, celles qui s'adressent à vous, moi, à vous dans leur détresse, donnez-les la joie de remercier Dieu dans toute leur bonté, ainsi soit-il. C'est pour ça que je suis toujours joyeuse. J'achène encore. Au Saint-Joseph, paix nourricière de la Sainte Famille, je vous implore et vous confie tous les soucis qui m'accablent à cette Le tout, si c'est le vrai tout. Pauvre cœur, c'est pour ça que je ne suis pas sortie depuis. Oui, ne fais pas comment tu finis. Soulager mon pauvre cœur. Avant que l'histoire soit finie, tu deviens ça, ma pasteur. Grâce à Dieu de votre bienfaisante protection. Hey. Au Saint-Thérèse de l'enfant Jésus, vous qui avez dit, désolé, je crois à Jésus. Je crois à Jésus, je crois à mes ancêtres, je crois à tout. Là où je suis, la même Bouddha, je vais croire. Au Saint-Thérèse, c'est pas le goumen. Hein. Je combats, c'est pas le goumen. On vous dit que je peux être attaqué. Regardez, je dors le citron, c'est noir comme ça. Vous croyez que je vois du bien. On m'attaque dans les voûts. Je suis obligée de mettre les prières. La comédienne prière. N'oubliez pas aussi qu'elle est comédienne. Hein. Elle ajoute un peu de comédie, tout ça. J'ai la prière même pour la route. Attendez, je vais vous dire pour la route. Maman, changez-la le nom, là. L'herbe est milliardaire. Parce que même quand je pars, elle peut serrer mes fesses. Quelqu'un qui peut t'envoyer. Le fils que peut te tuer dans la sorcellerie. Et dit que Dieu souffle dans nos bouches. Hey. Je t'ai obligé de commencer à invoquer. Dès qu'on a les problèmes, c'est là où on le connaît. Les prières, ma chère. Oh papa, pardon. Alors que le Dieu là, c'est le Dieu même des malfaiteurs. Vous croyez que c'était quoi? Et le Dieu de tout le monde. C'est même le Dieu des méchants. Vous avez parlé de mon jeûne et sel. 3 jours. Dès qu'on a un peu les problèmes, c'est là où on le connaît. Dès que ça va sur nous, on l'oublie. Dieu souffre à l'homme. Vous croyez tous les jours, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? Dieu dit que ceux qui vont chez les marabouts, allez. Moi, c'est Dieu que j'ai dans mes mains. Et mes ancêtres, ils vont me protéger. Maman, ça fait combien de temps là en direct? Moi, je travaille demain, Ruby. Calme-toi, ma chérie. Parce que depuis là, tu es encore excitée. Je te parle comme ça, je veux que tu te calmes. Elle a 1700K. Moi, je veux que tu te calmes pour qu'on arrête ce vacarme. Parce que c'est moche. C'est pour ça que je ne veux pas entrer dans la boue. Et j'arrête pas de te dire, calme-toi. Arrêtez de me signaler là. Calme-toi. Parce que tu veux qu'on entre là où il nous faut passer. Maman, elle est à 23 jours. C'est pas chaud. L'enfant est fatigué. Ruby va mettre l'enfant au lit, pardon. Ouais. L'académie. Il y a des femmes qui te prennent pour exemple. Moi, je n'ai même pas d'académie. Je suis, aujourd'hui, je suis comme ça. Demain, je suis comme ça. Moi, mes abonnés m'ont déjà vu avec le maquillage. C'est toi qui aimes la voix et l'image parfaite. Relève-toi, soigne ton image, parce que tu es en train de vouloir la gâter. Je te parle comme ça parce que je n'ai plus accès à toi. Si j'avais accès à toi, au téléphone, je t'aurais même appelé, parce qu'on s'est bloqué partout. Je t'aurais appelé pour te dire, calm down, parce qu'on est en train de tout gâter. Ce n'est pas bon pour toi. Mais vous êtes en train de tout gâter, donc ce n'est pas encore gâté, ma. La peine, c'est... Maman, pardon, ne mettez pas les organes. Où est-ce que les bois demain ensemble?
C'est sa nièce, non? C'est sa nièce. C'est sa nièce, Ludovic. Mais c'est sa nièce. Je ne laisse pas. Je continue quand même. Coupez tête pour jeter. Je continue à parler de moi partout, partout. Je fais les prières. Et mes prières, désolé, comme je t'ai dit, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mes prières fonctionnent. C'est ça. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est la love story. C'est le deuxième direct. Elle dit qu'on risque de tout gâter. Donc ce n'est pas encore, donc d'après eux, ce n'est pas encore gâté. Hey. Tu peux faire comme ça, tu peux peut-être faire comme ça. Tu veux toujours continuer. Tu veux toujours continuer. Maman va demander pardon à ton bébé. On dit tout ça. Tu lances le pic à qui? Tu sais que moi, ça ne me prend pas. On m'envoie les liens et rit même. Ruby, c'est un fille, j'espère que tu n'as rien de toi. Elle m'a envoyé deux ou trois. J'espère qu'elle n'a rien de toi parce qu'il y avait une qui est sortie comme ça. Ça a fait comme ça tous les jours. On lui a dit que laisse-moi. Elle a continué. Laisse-moi. Oh, Gossa. Gossa. Gossa, tu me perds. Gossa, je vais te montrer. Gossa, dès qu'on lui a mis pa. Pa, 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 pa. Hey. Oui, c'est bon. Bonne soirée, autant pour moi. Maman, pardon, moi, on va aller dormir, Libène. Ah, ouais. L'amitié de Facebook. Mais Rose, maman, on a eu le japap. Ça dit qu'on a eu. Ça dit qu'on a été servi ce soir, maman. Un lundi comme ça, là. Lundi. Un lundi comme ça. Hey! Maman. Bonne nuit, hein? Elle a vu mon visage. Elle a mes savons. De la gloire glorieuse. Elle avait le visage avec ça. Le soir, c'est ça. À la bave d'escargot. Et ça crée. Bien lavé. Bien. Merci pour la retransmission. Merci à vous. Maman, dites-moi demain, hein? Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, pardon. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble, ma chaîne YouTube. Attendez, hein. Allez vous abonner ici, pardon. Ouais, ma chaîne YouTube, là. Attendez, attendez, attendez. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà ma chaîne YouTube. Chaîne YouTube. Voilà ma chaîne YouTube. Voilà, allez mettre, regardez. Vous vous abonnez ici. Ok. Vous voyez, non. Vous vous abonnez là. Voilà le truc abonné là. Vous likez. Oui, vous partagez. Pardon, allez vous abonner. On a un narcotique. Allez vous abonner, pardon. Oh. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Oh. Nous tous sommes allés à YouTube maintenant. Voilà. Très bien, on fait YouTube. J'aime bien l'un de tes directs là-bas. Ouais. Les directs à YouTube. Moi, je n'ai pas encore mis les directs sur ma chaîne. Elle vit que mes vidéos. C'est vrai que ce n'est pas les directs. N'allez pas dans une page où on partage mes directs. Parce qu'il y a les gens qui partagent les directs des gens sur YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Hermine Indale. Voilà ça. Voilà le lien. Voilà le lien là. Voilà le lien de ma chaîne YouTube. Vous voyez, non. Hermine Indale 1673. Amine Indale 1673. Vous vous abonnez. Quel est le nom de ton YouTube? Voilà ça.
C'est Hermine Indale. Hermine Indale. Voilà mon YouTube. Hermine Indale. Allez vous abonner. C'était une vidéo. Si c'était une vidéo, c'est que c'est pas chez moi. C'est que c'est quelqu'un qui a pris ma vidéo, qui a mis sur YouTube. Parce qu'il y a des gens qui prennent les vidéos, des gens qui mettent sur YouTube. Ah, c'était une vidéo, pas un direct, d'accord. Allez vous abonner sur mon compte YouTube, pardon, abonnez-vous. Parce qu'il faut un nombre d'abonnés pour qui peut me permettre de faire les directs. Pour l'instant, il peut publier que les vidéos. Allez vous abonner. Merci beaucoup. Je vous laisse. Voilà, c'est toujours ça. C'est ma chaîne YouTube. Voilà. C'est ma chaîne YouTube. Voilà. C'est la vidéo, ce que tu as vu. Bonne nuit, moi je ne vais pas tarder. Donc tous les jours, je vais faire les lives, je vais vous dire que allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, voilà. On va commencer à faire les directs par là-bas. On va un peu laisser les gens Facebook. Facebook, il passe le temps à signaler les gens. Sur ce, bonne nuit à vous.